Nous sommes heureux et très très honorés d'accueillir le professeur Figu, professeur Jean-Pierre Figu, qui arrive tout juste de Paris et qui repart. En plus, il a une longue journée parce que ce matin, il m'a dit qu'il a fait trois quarts d'heure à France Inter dans une émission en direct, donc il s'est levé tôt ce matin. Mais je crois que je le connais, il tiendra certainement très bien le coup jusqu'à 5h et dès ce soir. Alors, le professeur Figu est professeur à Sciences Po à Paris et également à l'École des Affaires Internationales, toujours associé à cela. Et il est professeur invité dans plusieurs universités américaines et d'autres. Alors, la carrière du professeur Figu, la biographie, je me permets de la raconter rapidement, est tout à fait intéressante parce qu'il a commencé après son doctorat en 1980-81. Il a commencé une carrière dans le monde des droits de l'homme, des institutions de droits de l'homme, qui l'a amené, entre autres, à être représentant, je crois, de la Fédération internationale des droits de l'homme à Oliban, en pleine guerre civile, et puis l'a amené en Afghanistan également, à gérer, entre autres, des choses locales. Alors, il est docteur en histoire, le professeur Figu est docteur en histoire, si je comprends bien, et en plus diplômé de cette institution célèbre française, qui est l'INALCO, l'Institut National de Langue et de Culture Orientale. Il est parfait arabisant, il donne cours également en arabe, hein, je pense, hein, il est parfait arabisant. Donc, alors, ensuite, après ce travail international dont j'ai parlé, il a commencé une carrière diplomatique, comme diplomate, comme attaché d'ambassade, surtout dans le Moyen-Orient, je pense, hein, c'est notamment dans le Moyen-Orient. Alors, les publications du professeur Figu sont nombreuses, et comme je vous disais hier, dans le premier cours, un des intérêts que je trouve à vos publications, c'est à la fois la richesse de documentation et la capacité de synthèse. Enfin, ce qui fait qu'à la fin, on n'est pas seulement assommé par des informations, mais on a mis de l'ordre dans les informations, mais on y voit plus clair. Et donc, c'est pour ça que les ouvrages du professeur Figu, dont j'ai mis la liste, depuis Apocalypse, dans la petite notice biographique que vous avez, l'Apocalypse dans l'Islam, la Révolution arabe, alors l'histoire de Gaza, très importante, comme l'ouvrage historique très important qu'il a fait, les 9 vies d'Al-Qaïda, là aussi on met de l'ordre dans la succession et dans le rôle d'Al-Qaïda, les frontières du djihad, que j'ai trouvé une synthèse très intéressante sur la question du djihad. Et récemment, vous m'avez dit, et récemment, les Arabes, leur destin et le nôtre, qui vous m'avez dit, a eu beaucoup de succès du public et vous amène aujourd'hui à faire des conférences partout parce que je trouve que vous avez certainement fait des conférences aussi pour les livres précédents parce qu'ils étaient tout à fait intéressants. Donc voilà, je quitte cela et je laisse la parole à la professeure Franck pour remercier encore vraiment chaleureusement pour avoir accepté l'invitation tardive et avoir eu la gentillesse d'être ici parmi nous avec toute votre richesse d'analyse et d'information. Merci beaucoup. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet avec ce Moyen-Orient. Et d'abord, essayer d'en voir les pôles au cours de l'histoire. Berceau des trois monothéismes, berceau avant cela des différentes civilisations. Je ne vais pas revenir là-dessus. Cela participe de notre culture générale et partagée. Mais il faut comprendre que dans cette région, on a deux systèmes qui sont organisés autour du contrôle de l'eau depuis des temps immémoriaux, donc la vallée du Nil et l'Égypte, et la Mésopotamie, hein, avec le Tigre et l'Euphrate. Et dans les deux cas, on a de grands déserts ou des terres peu fertiles autour de cette eau qui est donc la ressource clé, qui est la ressource du pouvoir, ce qui a assez logiquement conduit à la mise en place pouvoirs de type pharaonique et mésopotamien, donc de pouvoirs de type pyramidaux, hein, alors qu'au contraire, la diversité des terroirs, des environnements, ce qu'on appelle la Syrie au sens large, qui n'est pas uniquement la Syrie actuelle, mais ce que les Arabes appellent les pays de Cham, Cham étant en arabe à la fois Damas et la Syrie, donc ça correspondrait aujourd'hui à la Syrie, au Liban, à Israël, au territoire palestinien et à la Jordanie. Donc dans ce pays de Cham, on a une diversité d'environnements, des vallées, des montagnes, des marges du désert,
qui font qu'on a beaucoup plus qu'en Égypte ou en Mésopotamie une diversité des pouvoirs politiques et des cultures qui leur étaient associées. Je vais faire court, hein, parce que je n'ai pas là pour entendre ces généralités géopolitiques, ou plutôt géohistoriques, mais il faut quand même les poser. Et les poser parce qu'on voit bien que dès la nuit des temps, si un historien peut parler de ce concept discutable, on a trois pôles qui sont encore aujourd'hui au cœur de cette problématique. Le pôle irakien, mésopotamien, le pôle syrien, en tout cas au sens large, et le pôle égyptien. Et qu'on va avoir très longtemps des empires qui soit partent de la vallée du Nil pour conquérir l'Orient, hein, avec à chaque fois le reflé du Gaza, c'est pas parce que j'écris une histoire de Gaza que j'y reviens, mais c'est la capitale, parce que ça sert pour ceux qui viennent d'Égypte pour s'emparer de l'Orient, mais ça sert aussi dans l'autre sens, que ce soit mésopotamien, perse ou Alexandre le Grand, voire les Romains, les plus près de nous, les Ottomans. On a cette bascule. Et puis on a l'Arabie, qui est largement périphérique par rapport à ces grands enjeux de pouvoir en Orient, mais où, eh bien, de 610 à 632, Mohammed va prêcher le credo d'une nouvelle religion, hein, l'islam, qu'il dit avoir reçu en révélation, Inzal, de l'ange Gabriel, donc à la différence des textes sacrés des autres religions, c'est Dieu qui parle à la première personne, hein, Marc dit que, Jésus dit que, non, c'est Dieu qui parle par la bouche de moi-même. Et là, on va voir cette région périphérique qui va devenir le berceau cette foi, de cette de son expansion armée par le djihad, expansion armée qui va défaire les deux grands empires du Nord, empire byzantin et empire perse dit sassanide. Et ce qui est frappant, hein, et j'y reviendrai tout à l'heure, c'est que cette percée se fait vers le Nord, hein, et va voir l'émergence d'un axe politique entre Médine, qui est la capitale du califat, et Damas, qui à l'époque est un des sièges de province attribué à une des familles de la Mecque. Il se trouve que c'était la famille dominante, il se trouve que c'était la famille qui avait le plus longtemps combattu Mohammed avant de se rallier à lui tardivement, les Omeyyades. Et que, du fait de toute une série de guerres civiles qu'on appelle du terme générique de discorde, fitna, F-I-T-N-A, eh bien, l'islam va sortir d'Arabie, mais pas uniquement dans son expansion, mais aussi va sortir d'Arabie pour installer le siège de son pouvoir politique en Syrie, à Damas, pour le premier empire de l'islam, l'empire Omeyyade, donc de 661 à 750. Et donc, on va voir l'Arabie qui a été le cœur, de cette révélation et de cette expansion, qui va redevenir, jusqu'à l'ère très contemporaine, un objet, et non plus un sujet de cette histoire régionale. On va voir dans quelles conditions elle va reprendre un rôle actif et ne pas être seulement la terre des deux lieux saints, Haramein, donc Médine et la Mecque, mais que les pouvoirs extérieurs se disputent pour avoir à la fois le trophée symbolique et en même temps une source très concrète du pèlerinage. Et on va voir de nouveau une série de conflits dont je vais vous épargner les épisodes entre un pôle syrien, un pôle irakien et un pôle égyptien. Retenez que ces conflits vont donc durer pendant un peu moins d'un millénaire après la mort du prophète, qu'au début c'est la Syrie qui va l'emporter pendant un siècle avec les Omeyyades, qu'ensuite ce sera l'Irak qui
qui va l'emporter avec une nouvelle dynastie, les Abbasides, mais qu'après on va avoir un califat concurrent, un califat dissident, qui arrive de Tunisie et qui va s'installer en Égypte, où il va créer une nouvelle capitale, la victorieuse Al-Qahira. C'est le califat Fatimide. Je ne vais pas vous embêter avec tous ces noms. Mais donc on retrouve avec califat Fatimide au Caire, califat Abbaside à Bagdad, pouvoir dissident plus ou moins sous protectorat byzantin en Syrie, ce jeu à trois pôles qui structure l'histoire de la région. Avec en plus, comme vous le savez, à la fin du XIe siècle, l'arrivée d'envahisseurs extérieurs qui sont les croisés, et qui vont donc, pendant un certain temps, jouer de ces dissensions entre ces différents pôles de l'islam. C'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle les croisés peuvent se maintenir aussi longtemps en termes d'islam. C'est pas par leur force propre. C'est parce qu'ils interviennent, si j'ose dire, comme variable d'ajustement, pour les Égyptiens contre les Syriens, pour les Irakiens pour maintenir les Syriens en position de soumission. Et finalement, ça va être toute une série de héros de l'islam, dont il faut noter qu'aucun n'est arabe. Noureddin est turc, Salada est kurde, Beybars est caucasien, Kipchak. Et ce sont eux qui, finalement, au bout de deux siècles, vont repousser les croisades, non sans, au passage, avoir réunifié la Syrie et l'Égypte, soit sous Saladin avec la Syrie qui a un rôle dominant sur l'Égypte, soit sous ce qu'on appelle les Mamelouks, l'Égypte qui a un rôle dominant sur la Syrie. Donc tous ces jeux de bascule, ils sont, j'ose pas dire suspendus, mais gelés, avec l'arrivée de ce que les spécialistes de sciences politiques des relations internationales décrivent avec plus de talent que moi, un hégémon, c'est-à-dire pratiquement une puissance hégémonique, une puissance impériale, qui sont les Ottomans. Alors les Ottomans, vous le savez, ils sont à Constantinople depuis 1453, mais ce dont on est sans doute moins conscient, c'est que pendant longtemps, ce Moyen-Orient, qui est le sujet de cette conférence, les intéresse peu. C'est un empire d'Europe. C'est vers les Balkans, avec en ligne de mire Budapest puis Vienne, qui sont le centre essentiel de leurs actions militaires pendant très longtemps. Et c'est uniquement donc, en 1516-1517 qu'ils vont s'emparer donc d'abord du pays de Charm, puis de l'Égypte, beaucoup plus tard de l'Irak, et instaurer un contrôle sur les lieux saints de la Mecque et de l'Égypte. Donc, pendant quatre siècles, on va avoir cette domination ottomane, donc cette gestion par Constantinople, par le nord de la région, avec établissement d'une frontière d'État entre l'Empire ottoman et un empire concurrent, mais qui est aussi musulman, qui est l'Empire perse, où, à peu près au moment où les Ottomans s'installent dans la région, le chiisme devient religion d'État. Donc on a un empire sunnite d'un côté et un empire chiite de l'autre. Mais la frontière qui les sépare n'est pas une frontière confessionnelle. Elle n'est d'ailleurs pas une frontière linguistique, elle n'est pas non plus une frontière ethnique. La frontière qui est tracée et qui en fait est stabilisée au cours du XVIIe siècle entre les Ottomans et les Perses, et la frontière qui est aujourd'hui celle de l'Irak et de l'Iran, et celle de la Turquie et de l'Iran. C'est une frontière où il y a des Kurdes des deux côtés, il y a des Arabes des deux côtés, où il y a des Turcs des deux côtés, où il y a chez des chiites des deux côtés, et où il y a des sunnites des deux côtés. Donc on n'est pas du tout dans tout ce que des commentateurs pressés déversent récemment en disant oui, c'est la guerre éternelle entre sunnites et chiites. Sunnites et chiites existent comme l'islam depuis à peu près 14 siècles. En 14 siècles de l'islam, sunnites et chiites, si on additionne tout, ont dû se faire la guerre pendant un siècle.
pendant les 13 autres siècles, c'est des sunnites qui font la guerre aux sunnites et des chiites qui font la guerre aux chiites. Donc, du point de vue de la perspective historique, ça n'est pas ça qui est pertinent. En revanche, on voit bien que c'est la définition des empires. Et quelle que soit la religion dominante dans un empire ou dans l'autre, ça n'affecte pas la religion pratiquée. Ça, c'est aussi une projection de nos histoires européennes, cuius ego, cuius religio, eius religio, hein, qui faisait que la religion du souverain était la religion des sujets. Au Moyen-Orient dont on parle, ça a très rarement été le cas, et quand c'était le cas, c'était généralement une exception involontaire. On avait toujours des populations, y compris en termes islamiques, beaucoup plus diverses qu'on pouvait le prétendre. Donc, où en sommes-nous pendant ces 4 siècles? On a donc un empire ottoman qui va gérer un certain nombre de gouvernements dans la région. Et pour ceux qui nous concernent, le gouvernorat le plus important, c'est Alep, qui s'étend, qui est vraiment le premier glacis, qui est le plus important en termes commerciaux, financiers, de ressources, hein, multiformes, y compris militaires. Damas, qui s'étend beaucoup plus au sud, qui couvre avec une série de sous-principautés, Jérusalem, le Liban ou l'actuelle Jordanie, pour prendre des termes qui à l'époque. Non, pas court. Hein, on a Mossoul, Bagdad et Bassora, qui sont les trois provinces de l'Irak. Et puis on a le gouvernorat du Hijaz, qui est très important, parce que c'est lui qui contrôle le pèlerinage à La Mecque et à Médine, avec deux grandes caravanes de pèlerinage qui sont organisées chaque année. Qui sont réellement le moment où le sultan ottoman ressource son autorité politique, religieuse, charismatique, symbolique, son autorité, c'est sultan, c'est le terme même qui donne sultan. Et donc on a le gouvernant du Caire qui organise une première caravane, mais la plus importante, c'est celle qui reprend l'axe Damas-Médine, hein, qui se rassemble à Damas et qui part. On parle de 10 000, 20 000, 30 000 personnes. Ce sont des expéditions considérables. Donc, ça, c'est l'espace. À l'époque, qui parle de Moyen-Orient? Personne. Personne. On dit le Levant, on dit l'Orient, on dit la question d'Orient. La question d'Orient émerge dans les chancelleries européennes à la faveur, justement, de tous les conflits qui... ont lieu autour de ces provinces, à la faveur d'expéditions de Napoléon en Égypte en 1798, à la faveur de la mise en place d'une dynastie héréditaire de vice-rois d'Égypte, à partir de Mehmet Ali en 1805-1848, à partir des ambitions russes, des ambitions françaises, des ambitions britanniques, mais on dit la question d'Orient. L'Orient, il n'est pas moyen. L'Orient, il va devenir moyen très loin d'ici, à Westport. Il va devenir moyen quand un amiral qui enseigne à Westport, Alfred Mahan, M-A-H-N, va écrire un article sur le Middle East qu'il va faire publier dans la revue des conservateurs britanniques. Au tout début du siècle dernier. Mahan n'est pas un inconnu. Mahan est un amiral, historien des routes maritimes. C'est aussi un stratège qui a par exemple conseillé aux autorités américaines d'annexer l'archipel d'Hawaï. Regardez Hawaï et le continent américain. Signale que Porto Rico n'est toujours pas un État américain, donc on est exclusivement dans des considérations stratégiques. Hein. Donc on peut remercier Mahan pour nous avoir donné Obama, hein, qui sinon serait né Pacific Islander, il n'aurait pas été ressortissant américain.
Mais regardez, Hawaï, c'est très simple. Quand vous êtes à Hawaï, vous contrôlez le Pacifique. Donc, Mahan est un penseur de la globalisation. Une globalisation que les Américains ont conçue, quand les Européens, généralement, l'avaient pratiquée sans vraiment la concevoir, et les musulmans la bricolaient sans encore moins en avoir l'idée. Donc, ces États-Unis, ils voient un monde où, quelque part, au milieu, middle, se concentre une ressource extraordinaire d'où peut émerger un pouvoir de ce temps. Très important. Avec l'idée de Moyen-Orient, on rompt avec les histoires antérieures, les croisés, les sécessions. Non, on est dans la modernité. On est dans le pouvoir. Et qu'est-ce qu'il dit Mahan? Il dit, c'est très simple. Cette région est au milieu. Alors, vous pouvez la prendre dans tous les sens, elle est au milieu de rien du tout. Elle n'est pas du tout au milieu. De quoi est-elle au milieu? Elle est au carrefour des deux axes commerciaux qui permettent de contrôler le monde. Le canal de Suez et la route des Indes, route de la soie, plus locale, qui sont les deux obsessions de l'empire du moment, l'empire des mers du moment, qui est l'empire britannique. Avec une tentative pour un empire non colonial de s'ingérer dans cette dynamique, qui est pour l'empire allemand, qui va construire les voies ferrées, le Bagdad Bahn, donc celle qui fait. Donc on est tous là avec l'Orient Express, avec l'Orient Express, il continuait après. Voilà. Et donc il allait à Konya, à Mossoul, jusqu'à Bagdad d'une part, et d'autre part il descendait à Alep, Damas et Médine. C'est ce qu'on appelait le chemin de fer du Hijra. Il permettait enfin d'éviter d'être attaqué par les Bédouins pendant qu'on faisait la caravane pour le pèlerinage. Mais en même temps, on voit bien que c'était un axe. Alors pourquoi je dis ça très rapidement? Vous voyez bien que je franchis des siècles la grande enjambée. C'est parce que l'intérêt géostratégique de l'Amérique pour le Moyen-Orient, il est antérieur de 50 ans à la commercialisation du pétrole comme source majeure de l'énergie mondiale et à la création de l'État d'Israël. Donc les deux tartes à la crème qu'on nous sort à chaque fois pour nous dire c'est pour ça que l'Amérique s'intéresse au Moyen-Orient. Non. Elle s'intéresse au Moyen-Orient parce que, je pourrais en donner d'autres exemples, le Moyen-Orient est générateur de puissance. Parce que qui contrôle le Moyen-Orient contrôle au moins une partie du monde. C'est une des rares leçons de l'impérialisme américain que M. Poutine a parfaitement compris. Hein? Vu que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est de prouver qu'il est une puissance mondiale au Moyen-Orient. Quand il annexe la Crimée, il n'est pas une puissance mondiale. Il est un empire qui rogne ses marges. Quand il bombarde Alep, il est une puissance mondiale. Hein? Donc, revenons au début du siècle dernier. On a donc quelque part des gens qui pensent au Moyen-Orient, alors que sur place, les Orientaux, généralement, ils se pensent comme musulmans. Enfin, de moins en moins. Parce qu'on a un phénomène qui s'appelle la Nahda, donc la Renaissance, qui a pris naissance, c'est pas très joli comme expression, Renaissance, pris naissance, enfin vous avez compris, qui s'est développée à partir de l'expédition de Bonaparte en Égypte, non pas parce qu'elle aurait été une expédition des Lumières, mais parce qu'elle a montré que le système ottoman était vermoulu, fragile, et qu'elle a permis à une dynastie du type de celle qui s'empare alors de l'Égypte avec Mohamed Ali, de mettre en place un programme de modernisation autoritaire, hein, un peu à la prussienne, ou à la Pierre le Grand, hein, des grands projets d'État, industrialisation, réforme fiscale, conscription, hein, pour, et qui ont fait que l'Égypte a été, en tout cas au XIXe siècle, une puissance qu'on qualifierait aujourd'hui d'émergente, hein, qui pouvait donc se constituer non seulement en autonome par rapport à l'Empire ottoman, mais comme
un vrai acteur, au point d'ailleurs que l'Égypte, on revient à ce que je vous décrivais au début, a pu s'emparer, hein, dans les années 1830, de la Syrie et aller menacer le sud de l'Empire ottoman. Donc on a cette renaissance arabe qui, après différentes péripéties, mais surtout du fait de l'expansion coloniale, hein, donc les Français en Afrique du Nord, les Britanniques en Égypte à partir de 1882, cette renaissance arabe est rentrée un peu en infra-politique, hein, plutôt dans la renaissance culturelle, la renaissance linguistique, mais tout en restant très, très mobilisé sur deux registres. Hein, un registre qu'on qualifierait aujourd'hui de nationaliste, hein, qui est un peu le registre par lequel les Arabes s'adressent aux Européens. Ils leur disent, ben, nous sommes un peuple avec une langue, un territoire et une identité. Tout comme vos peuples européens, dont vous prétendez défendre le droit à des nationalités qui va devenir le droit à l'autodétermination, c'est la grande cause du XIXe siècle, depuis la Révolution grecque jusqu'au Comitadji bulgare. Donc voilà, hein, vous les Européens, nous sommes au fond comme vous, nous avons les mêmes droits. D'ailleurs, l'endroit où on vient vous dire, c'est généralement Paris, c'est généralement la Sorbonne, et c'est même le boulevard Saint-Germain, et précisément le siège de la Société de géographie, où en 1913 se tient le premier congrès national arabe, donc le nationalisme. Et puis, on a un autre courant, qu'on qualifierait aujourd'hui d'islamiste. Alors j'insiste, hein, nationaliste islamiste, à l'époque, on ne dit pas du tout ça. Et je ne vais pas rajouter la confusion en disant qu'à l'époque, on dit salafiste. Mais bon, parce que sinon, on ne va plus rien comprendre. Donc je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai. Ou alors on dit réformiste. Et souvent, salafiste et réformiste, c'est la même chose. Donc vous voyez que, hein, heureusement qu'il y a l'histoire pour remettre tout ça en perspective. Et montrer que tout ça, c'est des constructions. Personne, aucun de ces courants ne sort tout armé de la tête de je ne sais pas qui, mais sûrement pas de Bagdadi. Donc on a les islamistes qui, eux, font un procès aux Ottomans. Hein, mais c'est souvent les mêmes qui disent quelque chose aux Européens en nationaliste et qui disent quelque chose aux Ottomans en islamiste. Et qu'est-ce qu'ils disent aux Ottomans? Ils disent, ben, vous êtes des Turcs, vous n'êtes pas des Ottomans. Vous ne représentez plus la Oumma, la nation de l'islam, la communauté de l'islam. Vous n'êtes qu'un peuple, une ethnie. Et en plus, vous avez usurpé le titre de calife. Parenthèse. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur le califat ces derniers temps? Le dernier califat digne de ce nom a péri sous les sabots des hordes mongoles en 1258 à Bagdad. En 1258 à Bagdad. Hein, tout ce qu'il y a depuis, c'est des califats en chocolat. Hein, des califats en trompe-l'œil. Hein, parce que, ça c'est un grand classique, c'est pour ça qu'on aime bien l'histoire, c'est parce qu'il y a toujours, vous savez, il y a toujours un massacre, et puis il y a toujours quelqu'un qui s'est planqué dans le placard à pain, ou qui s'est échappé dans la malle au haut, l'inchal et tout, donc on croit qu'on a tout liquidé, puis il y en a encore un qui est vivant. Hein, donc c'est arrivé quand les Abbassides ont liquidé tous les Omeyyades, ah, il y en avait un qui est vivant, en plus on retrouve un Cordoue où il va finir par créer un pouvoir Omeyyade, etc. Heureusement qu'il n'y avait pas les tests ADN. Et puis avec les Abbassides, c'est pareil, ils les massacrent tous, puis ils les remassacrent, mais il y a quand même un qui s'en sort. Et qui, étrangement, arrive au Caire, où, étrangement, on a des mamelouks, c'est-à-dire des esclaves qui ne savent même pas parler arabe, qui savent que taper sur la tête, mais généralement assez bien, hein, et qui ont donc un besoin cruel de ce que Weber appellerait le charisme.
Et donc, parce que l'autorité, c'est bon, ça, c'est bon. La force brute, ils connaissent. Et donc, ils récupèrent l'héritier du califat et ils vont le mettre en scène, hein, littéralement, pour justifier leur propre pouvoir. Et donc, faire dire la prière en leur nom, parce que de toute façon, il n'y a pas un Kérot ou un Damasen qui aurait pu prononcer leur nom à eux, parce qu'ils s'appelaient tous Tchoukmanchouk, Tourancha, etc. Pas du tout. Et donc là, on fait la prière au nom du calife. Donc de toute façon, le calife, depuis 1260, parce qu'en plus, il y a toujours des hiatus, pas possible, l'Omeyyade, ils sont tous massacrés en 750-751, et hop, il réémerge à Cordoue en 755. C'est merveilleux, quand même. Là, les Abbasides sont tous massacrés en 1258, et boum, ils ressortent à Bagdad en 1260. Donc, ce calife-là, évidemment, n'est calife que de nom. Il n'a aucun pouvoir, de temps en temps on le sort, littéralement, hein. Puis s'il n'est pas gentil, ben on l'enferme, voire on l'empoisonne, et puis bon, on met son fils à sa place. Quand les Ottomans arrivent au Caire en 1517, ils trouvent ce calife, qu'ils amènent à Constantinople. Les Égyptiens sont furieux qu'ils s'en aillent, non pas parce qu'ils aimaient leur calife, mais parce que, bah, quand même, quoi, ils étaient le siège du califat, quoi. Ils perdent, je sais pas, c'est comme si on retire le statut de métropole. Donc, le calife, enfin, le descendant de calife, arrive à Constantinople. Alors ça, j'ai dit ça une fois dans un cours de première année, puis j'ai retrouvé dans une copie, donc c'est une blague. Et il dit, oh, c'est merveilleux l'appartement sur le Bosphore que vous m'avez donné, vous êtes trop sympa, prenez le titre de califat. Hein? Mais en gros, ça n'a pas dû se passer très différemment. Sauf que ça ne s'est pas fait avec le premier calife à Constantinople, ça s'est fait deux siècles plus tard. Vu que pendant deux siècles, les sultans, ils étaient sultans. Sultan, c'est l'autorité. Hein? Et puis le charisme, ils en avaient à foison. Puis de toute façon, ils étaient rois des deux mers, empereurs des deux continents, etc., etc. C'est pas rien d'être à Constantinople. Hein. On voit que ça monte à la tête de beaucoup de gens encore aujourd'hui. Hein. Donc, on a en fait, le califat est une, dans sa forme actuelle, est une création des diplomates russes. Les Russes avaient d'excellents orientalistes, ils en ont toujours d'excellents qui sont employés à de bien tristes bas œuvres, qui, au moment de la prise de la Crimée, vous voyez, on en revient toujours aux fondamentaux, hein, en 1774, au traité du Kouchouk-Kainardji, ne pleurez pas, pour faire passer, si j'ose dire, la pilule, hein, aux Ottomans, ils leur ont dit, ah, vous avez perdu la Crimée. C'est vrai qu'en Crimée, il y a beaucoup de musulmans. Alors, à l'époque, ils étaient 80%. Aujourd'hui, ils sont 12%. Quand Staline est passé par là. Hein. Donc, vous restez sultan d'où vous voulez, mais pas de la Crimée. Mais en Crimée, vous êtes calife. Vous êtes leur autorité spirituelle. Donc ça, parenthèse dans la parenthèse, ça c'est pour tous ceux qui disent qu'il n'y a pas de séparation entre politique et religieux dans l'islam. Donc, on a une distinction entre sultan, pouvoir effectif, et calife, pouvoir spirituel. Donc, ce que disent, pour revenir aux islamistes arabes, qui ne s'appellent pas islamistes à l'époque, qui s'appellent plutôt réformistes ou salafistes, c'est qu'ils disent les Turcs ont déchu, et parce que vous avez toute une série de des bibliothèques de controverses pour savoir comment on peut être calife. Il n'y a qu'une certitude, c'est qu'il faut être arabe. Ça, on peut tourner ça dans tous les sens. Il faut être arabe. Alors après, est-ce qu'on doit être de la famille du prophète ou pas? Est-ce qu'on doit être de la Mecque ou pas? Après, bon, ça peut. Mais de toute façon, on doit être arabe. Donc de toute façon, il y avait l'énormité du fait que les Arabes avaient perdu la titulature suprême de l'islam. Et que donc, il fallait qu'ils récupèrent ce magistère. Et que c'est ainsi que l'islam allait être régénéré. D'où ce terme de réformiste qu'il aurait souvent appliqué, en même temps que le terme de salafiste, vu qu'il disait qu'il faut revenir aux origines, aux salaf, c'est-à-dire aux pieux ancêtres. Donc vous avez ce double procès qui est fait dans le monde arabe
les Ottomans. Avec, pour faire simple, les Français favorisant plutôt les nationalistes et les Britanniques plutôt les islamistes. Mais avec toutes les guillemets. Vu que, comme je vous l'ai indiqué, un certain nombre de personnalités peuvent être les deux. Hein, et critiquer les Ottomans pour ceci ou pour cela, ou s'opposer aux coloniaux pour ceci ou pour cela. Les Ottomans sont de plus en plus turcs. D'ailleurs, il y a un pouvoir jeune turc qui s'installe en 1908, qui pactise secrètement avec les empires centraux, donc avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Et les orientalistes allemands, donc j'ai déjà parlé des orientalistes allemands, ils vont avoir une idée qu'ils croient géniale. Attention, sciences, politique, conseiller du prince, attention, il ne faut pas mélanger. Il a dit, mais vous savez, le sultan, il est calife, donc il peut proclamer djihad. Donc c'est l'épisode tout à fait baroque de ce que les historiens appellent le djihad made in Germany, où une déclaration de djihad va être rédigée par ces fameux orientalistes et prononcée au nom du calife dans toutes les langues de l'islam. Évidemment, le djihad, il est prononcé contre la France, la Grande-Bretagne et la Russie. Alors, je dis ça parce qu'on entend énormément de bêtises sur les califes, mais alors sur le djihad, Eh bien alors, vous vous rendez compte, un calife qui proclame le djihad, et alors, pchit, rien. Rien. Si un peu de chiite en Irak et un peu de séleucie en Libye. Sinon, rien. Les Nord-Africains sont pas, les Indiens ne soulèvent pas, les Égyptiens ne soulèvent pas, les Centra-Asiatiques ne soulèvent pas. Pourquoi ? Parce que eux ont compris depuis longtemps que le sultan n'est pas un vrai calife. Et que depuis 1258, s'il y avait un vrai calife, ça se saurait. Donc, on voit d'une part que la proclamation du djihad tourne court, mais en revanche, non seulement les Arabes ne répondent pas au djihad que le calife leur a demandé de livrer, mais ils vont s'allier avec les mêmes puissances contre lesquelles le calife va proclamer le djihad pour promouvoir leurs intérêts comme peuple arabe. Et le champion de cette guerre va être un descendant du prophète, c'est pour ça qu'il s'appelle shérif avec un C, merci. Et un seul F, vit à La Mecque et entre La Mecque et Médine, qui en est gouverneur pour les Ottomans, et donc il s'appelle Hussein, le shérif Hussein. Et donc ce shérif Hussein, il est à la fois le champion des nationalistes, parce que son fils a été initié, son fils qui s'appelle Faisal a été initié au rite des sociétés secrètes arabes. L'une qui s'appelle Al-Fatah, la jeunesse, et il est champion des islamistes parce qu'il ferait un parfait calife. Il est descendant du prophète, il est à La Mecque, à Médine, bon, c'est quand même un peu plus sérieux que tous ces Abdelmejid, Abdelhamid de Constantinople. Hein. Donc, c'est autour de cette personnalité que va se focaliser ce qu'on appelle la révolte arabe, mais qui, en arabe, s'appelle la révolution. Sawla. C'est très important, cette distinction, parce que le choix de révolte ou de révolution fait que, en gros, ben, les Arabes, ils savent se rebeller, mais ils ne savent pas faire la révolution. C'est des gens un peu... Ben, c'est pas vrai. Ils font la révolution. Ils considèrent que c'est la révolution. Et je vais revenir pour la période plus contemporaine, entre révolution et contre-révolution. Non, ce n'est pas des rébellions, non, ce n'est pas des insurrections. C'est des processus révolutionnaires, avec tout ce que ça implique. Et depuis le temps, au moment des t-shirts de Che Guevara, on a fini par croire que la révolution, c'était cool. La révolution, ce n'est pas cool du tout. La révolution, c'est sale, c'est moche, mais c'est un processus historique de type révolutionnaire. Donc, il lance la révolution arabe, qui est effectivement est une rupture, dès son lancement. Depuis La Mecque et Médine, qui étaient
était le lieu où le pouvoir charismatique du sultan calife se ressourçait chaque année, il lève l'étendard de cette révolution. Alors, on va régler son compte à un personnage qui est un très bon écrivain, mais un grand affabulateur, Thomas Edward Lawrence, dont toutes les sources arabes disent « il était tout le temps là, on ne savait pas ce qu'il faisait ». Donc, comme diraient mes enfants, c'est un mytho. Donc, on va abandonner le mytho. Hein. Il est quand même mytho, parce que l'idée que lui, d'Oxford, va apprendre aux Arabes à faire la Qazia, dans un désert où ils la font depuis allez, un millénaire et demi, hein, c'est quand même assez important. Au niveau symbolique, ce qui est capital, c'est qu'on va reprendre le chemin qui a été suivi par l'islam lors de la sortie d'Arabie, dans les années 630. Et on va le reprendre cette fois en suivant un axe moderne, qui est celui du chemin de fer du Hijaz. On va remonter Médine, Maran, Amman, jusqu'à Damas. Et la contribution arabe va être tout à fait considérable à cette défaite des Ottomans. Soit parce qu'ils fixent des garnisons entières, notamment la garnison de Médine qui est assiégée, soit parce qu'ils obligent, du fait de leur attaque sur le chemin de fer, à... les Turcs et les Allemands qui sont très présents au Moyen-Orient. À Gaza, par exemple, la défense est menée par un officier bavarois, la défense turque. Et donc, pendant qu'eux font ça, donc vous voyez le cheminement à la fois symbolique et militaire, on est reparti dans le basculement des empires à partir de l'Égypte. Hein, sauf que c'est les Britanniques qui sont en Égypte, qui vont donc mener l'assaut à trois reprises contre Gaza, finalement Jérusalem, et l'entrée à Damas. Et là, quand on arrive à Damas, on sait que les alliés qui s'étaient engagés auprès de Hussein à l'établissement d'un royaume arabe dans les territoires libérés des Ottomans, en fait, dans l'intervalle, se sont partagés hein, les territoires question, et qu'en plus, sur les territoires en question, les Britanniques ont fait une promesse aux sionistes hein, d'établissement d'un foyer national juif en Palestine. Alors pour faire très court, hein, les Britanniques sont la puissance dominante, les Britanniques ont l'humain, ils ne l'ont pas lu, de toute façon ils l'appliquent, donc ils veulent être la puissance dominante au Moyen-Orient, a fortiori épuisés qu'ils sont par le premier conflit mondial. Et donc, ils ont fait trois promesses, dont chacune leur permet de ne pas tenir la précédente. Hein, la déclaration Balfour permet de ne pas tenir la promesse aux Français, et le partage avec les Français permet de ne pas tenir la promesse aux Arabes. Donc, ils restent les maîtres du jeu. Dans ce qui se passe après, c'est qu'on va voir les conférences de paix, hein, qui, comme les historiens le disent, « A peace to end all peace », c'était vraiment une paix pour finir avec toute la paix. Alors on le sait pour l'Allemagne, hein, la façon dont le traité de Versailles va en fait préparer la guerre suivante. Mais c'est encore plus vrai, si je veux dire, au Moyen-Orient, où en fait on crée les germes des conflits contemporains. Alors, là aussi, je ne cache pas mes convictions. Hein, je dis que c'est un thème de débat. Non, le problème au Moyen-Orient, ce ne sont pas les frontières. Le problème, c'est ce qu'on met dedans. Parce que les frontières, de toute façon, elles sont artificielles. Même les vôtres. Et celles de France. Donc, les frontières naturelles, ça n'existe pas. Regardez même la question au Royaume-Uni aujourd'hui, alors qu'ils sont... Donc, le problème n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous avez des bons esprits, c'est-à-dire concrètement des apprentis sorciers totalement irresponsables, qui, en Amérique et ailleurs, vous disent « Oh, quand même, ces puissances coloniales, elles auraient fait des meilleures frontières au Moyen-Orient, ça marcherait mieux. » Non. Et déjà, avec ces frontières, vous avez vu dans quel état est la région, mais alors si vous les touchez, alors là, on est reparti pour encore pire. Parce que, c'est pas grave, Moyen-Orient, c'est calamiteux, mais ça peut être bien pire. Ça peut être bien pire. Hein ?
Donc, la question n'est pas des frontières. La question, elle est fondamentalement que les Arabes se sont soulevés en alliés et qu'ils ont été traités en peuple conquis. Et qu'on a eu déni du droit du peuple arabe à l'autodétermination. Qu'on ait pris une forme ou une autre. On voyait bien qu'en Égypte, on voulait la fin du protectorat britannique, et qu'à Damas, il y avait un congrès général qui avait proclamé le roi Faisal, le fils de Hussein, roi constitutionnel. Congrès qui était largement élu, sauf dans les zones contrôlées militairement par la France et par la Grande-Bretagne, parce que là, c'était difficile de faire des élections. Donc, il y avait un droit à l'autodétermination qui a été nié. C'est ça, la base. Et à mon avis, c'est ça la base des révolutions contemporaines. Mais j'ai expliqué comment les révolutions pour l'autodétermination contre des puissances étrangères ont aujourd'hui éclaté et se déroulent contre des pouvoirs supposés souverains, mais perçus comme des armées d'occupation. Donc, revenons à 1919-1920. Donc, les conférences de paix qui vont instaurer des mandats. Donc, là encore, il faut quand même réfléchir un peu. C'est quand même la terre de Babylone, de Jérusalem, de Damas, de Alep. Et nous, on arrive en disant « Ah bon, on va vous accompagner jusqu'au moment où vous serez mûrs pour la civilisation. » C'est tellement grotesque, hein, c'est d'un tel paternalisme colonial que c'en est affligeant. Mais la réalité, c'est qu'on ne parle pas du tout du mandat en tant que tel, et sûrement pas en France. En France, on parle de croisade. En France, on dit « c'est le retour des royaumes francs ». En France, on a la chambre Bleu Horizon qui dit « ah, les baronnies du Liban, le grand retour, la châtelaine du Liban, etc. etc. » Et puis de l'autre côté, évidemment, tout ça, c'est des fanatiques. C'est d'ailleurs la première fois qu'on pense à employer le terme « islamiste hein, » en termes polémiques. Si généralement c'est fanatique. Et donc on voit que il y a deux mandats qui sont donnés à la France, Syrie et Liban, deux mandats qui sont donnés à la Grande-Bretagne, Irak et Palestine, et la Grande-Bretagne retranche de la Palestine. Un état tampon qui va devenir la Transjordanie hein, pour éviter que justement la Palestine qui a déjà été promise deux fois hein, ne soit pas au contact des autres foyers de conflit. Donc tout se recompose à la faveur de la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'on a hein, pour faire là aussi très on a une Égypte qui, en 1919, va mener une révolution qui est très comparable à la révolution de 2011. Vous allez avoir des foules pacifiques qui descendent dans la rue, musulmans et chrétiens, croissants, et même des femmes dans la rue, ce qui, en 1919, est juste pas inimaginable. Une révolution non violente qui sait qu'elle va payer le prix fort face aux Britanniques, mais qui a décidé d'utiliser la non-violence comme arme stratégique. Donc, aujourd'hui, ça paraît un peu fleur bleue de dire ça, mais les Arabes ont inventé le gandhisme des années avant l'Indira Gandhi, avant le Mahatma Gandhi. Ils ont compris que face à un empire prêt à tout, et qui a un rapport de force écrasant, la non-violence est un choix stratégique cohérent. Et ils vont d'ailleurs, au bout d'un millier de morts, c'est-à-dire à peu près le nombre de morts qu'il a fallu pour faire tomber Moubarak, obtenir une indépendance, certes formelle, mais une indépendance, qui est consacrée en 1922. Donc, à partir de 1922, s'ouvre le cycle des indépendances arabes qui va durer pendant 50 ans. Mais l'indépendance égyptienne, elle est soumise à condition, le canal de Suez, les finances et les minorités. Alors ça, c'est merveilleux.
que les minorités, au Moyen-Orient, vous pouvez toujours en trouver. Et généralement, vous êtes toujours le minoritaire de quelqu'un. Tout dépend de l'endroit où vous êtes. Mais si vous êtes majoritaire quelque part, si vous faites quelques kilomètres, vous devenez minoritaire à côté. Donc, on est toujours les minoritaires de quelqu'un. Et de toute façon, les puissances coloniales ont un talent qui n'a d'égal que celui de Poutine et d'Obama aujourd'hui, pour générer des minorités dans la minorité, pour que la minorité en question se tourne contre la minorité qui croyait devenir majoritaire. Soyons simples. À un moment, les Français ont eu des problèmes avec les Druzes. Alors, ils n'ont pas compris, parce qu'ils avaient favorisé les Druzes contre la majorité, qui était sunnite. Mais les Druzes se révoltent contre eux, c'est en 1925. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher des Tcherkesses. Donc, une minorité qui n'est pas confessionnelle, mais qui est ethnique. Et vous pouvez multiplier les exemples. On utilise des Turcs contre des Arabes, on utilise des Sunnites contre des chiites, on utilise des Alaouites contre des Ismaéliens, on utilise des Bédouins contre des gens des villes. Donc, minorité, c'est en fait une catégorie fourre-tout pour dire à tout moment, je peux intervenir, je peux m'ingérer au nom de la protection de tel ou tel groupe que j'ai décidé de prendre sous ma protection, donc en niant l'autorité locale. Et ça, c'est quelque chose qui remonte à toute une tradition, depuis les capitulations entre François Ier et Soleiman le Magnifique, sauf que à l'époque, c'était plutôt les catholiques, puis après ça a été les chrétiens, ce qui était quand même beaucoup plus large. Et puis après, les Russes sont arrivés en disant « Bah non, nous, on a nos chrétiens ». Et puis après, les Anglais ont dit « Bah non, on n'a pas beaucoup d'Anglicans, bah alors on va prendre les Druzes ». Et puis après, les Juifs, d'où d'ailleurs l'ancrage assez ancien du sionisme outre-Manche, beaucoup plus que dans la France de l'Alliance israélite universelle, etc. Donc les minorités, chaque fois que vous entendez « défense de minorité », vous dites « Et la majorité, attends, elle a quel droit ?» Alors vous avez une minorité, puis vous avez Orient compliqué. Alors ça, Orient compliqué, alors j'ai un texte que vous pouvez lire qui est en ligne, expliquer que quand on cite à tout bout de champ de Gaulle, on le cite de travers, comme souvent, vu que pour lui, l'Orient compliqué, c'était l'Orient des intrigues avec Vichy et avec les Britanniques. C'était pas du tout l'Orient des Orientaux. Quand il part en Orient en 41, son problème, c'est Londres et Vichy. Et accessoirement, l'Allemagne d'Hitler. C'est pas les Druzes, les Sunnites ou les Chiites. On vient de republier un livre extraordinaire, un reportage de Kessel, en 1926, en Syrie. Son premier grand reportage pour Le Journal. Et alors, il nous fait le coup, pendant 10 pages. Ah oui, c'est terrible, Orient. Puis à un moment, parce que c'est plus fort que lui, il est quand même un peu cartésien. Il dit, oui, puis en Syrie, il y a 4 millions d'Arabes sunnites, il y a 150 000 Druzes et il y a 200 000 chrétiens. Ah bon ? Ben alors c'est quoi ? Qu'est-ce qui est compliqué ? Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a absolument rien de compliqué. Donc on voit bien que c'est toute cette usine à gaz intellectuel sur les minorités est fondamentalement une usine d'intervention et de refus du droit à l'autodétermination des peuples. Donc, on a en 1922, donc l'indépendance égyptienne, et en 1922, les Français ont installé le Grand Liban, c'est-à-dire qu'ils ont fait des frontières pour le Liban dans les limites que leur protéger, c'est-à-dire concrètement le lobbying intense de l'église maronite au Liban et de l'église catholique en France, notamment le primat de Gaulle ici à Lyon, ont souhaité. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un mont Liban qui historiquement va, pour faire simple, de Byblos à Saïda, on va avoir un grand Liban qui va de Tripoli à Tyr et qui annexe la Bekaa. Donc les Français, alors là pour le coup, c'est le seul moment où la question des frontières, de toute façon on ne peut pas revenir dessus, c'est que les Français, pour donner à leurs protégés un territoire plus grand,
les ont mis dans une situation où fatalement une génération ou deux est devenue une minorité. C'est quand même incroyable. Donc en fait, ça a pris 50 ans. Il en est arrivé à la guerre civile, entre guillemets, de 1975. Alors que dans le petit Liban, les chrétiens sont restés majoritaires sans doute jusqu'à aujourd'hui. Difficile à prouver, vu les malheurs et les déplacements de population qui ont eu. Et donc les Français, comme ce qui compte pour eux, c'est ce grand Liban, ben, de l'autre côté, ils vont découper. Donc, ils vont créer un état des Alaouites. Alors ça, c'est extraordinaire. Parce que personne... Alors déjà, les Alaouites étaient les derniers à demander un état. D'ailleurs, ils ne s'appelaient même pas Alaouites. Ils s'appelaient Nosseiri. Mais on a eu un jésuite pas très bon en arabe, qui a commencé à croire que c'était une tribu perdue d'Israël, puis ensuite que c'était des chrétiens vaguement repeints schismatique, et puis qui de toute façon a conclu que fallait miser sur eux contre les méchants de l'intérieur. Hein, Damas, Alep, comme toujours, hein, toujours pareil. Damas, Alep, Homs, Hama, les quatre villes de Syrie centrale, qui étaient les foyers du nationalisme arabe. Mais ça aussi, ce n'était pas nouveau. On avait un certain nombre d'administrateurs qui nous arrivaient du Maroc et de Lyoté, où, par raison, hein, mais. Et toujours l'idée, ah, les beaux Kabyles, ah, les affreux. C'est quelque chose qui a quand même marqué profondément la gestion coloniale de l'Afrique du Nord. Ah, les berbères progressistes contre les Arabes intégristes. On entend encore des échos jusqu'à aujourd'hui. Donc là, on allait jouer les Alaouites un peu comme s'ils étaient l'équivalent des Maronites au Liban. Hein. Donc on crée une catégorie. Alors là, on crée littéralement une minorité. Puis non seulement on la crée, mais on lui donne des armes. Parce qu'évidemment, hein, quand on a des problèmes à Damas et à Alep ou ailleurs, il faut envoyer ce qu'on appelle publiquement les troupes spéciales, donc les corps francs. Donc du jour au lendemain, les Alaouites, qui étaient, vivaient dans une situation extrêmement dégradée, c'est-à-dire soit un Alaouite restait dans sa montagne en espérant qu'on ne s'occupe pas trop de lui, soit il descendait en bas, et soit il finissait comme péon dans les latifundias de la vallée de l'Oronte, soit, s'il était une femme, il finissait comme bonne à tout faire, dans le sens littéral, chez les bourgeois de l'Attaquié d'ailleurs. Donc, cette minorité, soudain, non seulement on lui construit des dispensaires, des routes, parce que quand même les Français savent faire, mais en plus, on lui ouvre les portes de l'académie d'état-major. Tout ça finira avec les Assane père et fils. Mais ça, alors que les bons bourgeois des villes nationalistes et tout, eux, ils font des journaux, ils font des élections, ils font des manifestations, ils font des grèves. Mais ils ne rentrent pas dans les troupes spéciales. La carrière militaire, c'est pas du tout noble. Ce qui est noble, c'est d'être avocat, c'est d'être docteur. Hein. Et on va voir comment tout ça va tourner au détriment de ces élites nationalistes. Donc les Français, ils créent un État alaouite. Puis après, ils séparent Damas et Alep. Il y a deux États différents, comme on peut faire. Ils donnent une autonomie aux Druzes. Et puis, pour faire bonne. Au cas où ils auraient dépassé, une autonomie autour d'Antioche, de Saint-Jacques d'Alexandrette, et puis une autonomie aux Kurdes. Hein. À l'époque aussi, il y a toute une littérature pro-Kurde, les Kurdes, etc. Ils sont formidables, ils ne sont pas comme les Arabes, ils tiennent leur parole. Donc, ça, c'est pour les Français. Pour les Britanniques, on va avoir création de l'Irak contemporain à partir des trois provinces ottomanes de Mossoul, qui à un moment revenait aux Français, puis les Français ont cédé contre des parts dans la compagnie française des pétroles qui va devenir Total, Bagdad et Bassora. Donc, cet amalgame va se faire sous l'autorité d'officiers de l'armée ottomane, qui sont majoritairement arabes et sunnites. Et donc, on va mettre à la tête de cet ensemble un peu abscons le roi Faisal, qui a été expulsé par les Français de Damas, et qui va être donc imposé par référendum à la tête de l'Irak.
Donc c'est le premier des plébiscites qu'on en envoie. Voilà, c'est-à-dire que, au moins, à l'époque, les Anglais faisaient semblant de poser une question. C'était pas Assad ou la mort. Hein. Donc, voulez-vous le roi Faisal comme souverain de l'Irak? Alors évidemment, entre les Anglais, l'armée, les anciens de l'armée ottomane, etc., bizarrement, on est arrivé à 95%. Mais c'est alors, il faut savoir que tous ces trucs de Sisi, de Bouteflika aujourd'hui, ça vient d'un roi d'Irak qui avait été expulsé par les Français de Damas. Parce que moi, j'ai rencontré beaucoup de ces dictateurs. Très souvent, je me demandais, mais pourquoi ils font des élections? C'est vrai, quoi. De toute façon, toute personne, vous savez, Hafez al-Assad, il ne l'a pas dit devant moi, mais il l'a dit devant quelqu'un de très bonne chose, Hafez al-Assad disait, si quelqu'un pense du mal de moi, je le sais avant lui. Donc, pourquoi faire des élections? D'ailleurs, on rapportait, alors ça c'est une anecdote, hein, mais il y a eu une élection où Assad, c'est une des premières élections. Alors, élection, vous mettez tous les guillemets, les italiques que vous voulez. Et je crois qu'il y avait 236 noms contre 8 998 000. Et donc, la police politique vient voir en délégation Assad qui fait la gueule. Enfin, quand même, monsieur le président, cette victoire, vous n'avez eu que 236 noms. Et Assad aurait répondu, je veux les noms des noms. Bon, ça c'est apocryphe. Ça, c'est apocryphe. En revanche, il ne faut pas mettre ça dans la copie. Hein. C'est une blague. En revanche, la première, c'est pas une blague. Il l'a répondu. Donc, ces gens-là, pourquoi? En fait, on ne parle pas des mêmes choses. Nous, on a quand même fini par croire qu'une élection, ça compte. Là, ça ne compte pas. Une élection, en fait, et c'est pour ça que j'ai fait un parallèle, moi, dans un livre, avec le calife des Mamelouks. C'est-à-dire, de temps en temps, on monte le calife des Mamelouks. Voilà. Vous voyez, c'est le calife. Hein. Nous, on s'appelle Beybar, Soutouz, ou Kalaoun. On ne parle pas la langue de votre pays, on ne vous aime pas, on vous pille, on vous viole, mais de temps en temps, on monte le calife. Donc aujourd'hui, montrer le calife, ou faire la prière du vendredi en ce moment, c'est organiser des élections. Tout le monde sait que ça ne sert à rien, mais en même temps, le rite, il a une vertu propre, hein, qui est la même que celle du calife chez nous. Donc, les Britanniques ont fait l'Irak. Transjordanie, c'est assez simple, il n'y avait rien. Hein, donc ils installent un autre frère, un frère de Faisal, un fils de Hussein, au pouvoir, et puis ils créent tout. C'est fascinant de lire l'histoire de la Jordanie. C'est là, vous voyez comment on crée un État en kit. Un roi, une garde présidentielle, une garde royale, pardon, un budget, et puis on met évidemment un officier anglais à la tête de l'armée, parce qu'on est déjà assez bien servi par soi-même, etc. Et comment peu à peu, on crée Amman. Hein, et puis la Palestine, alors là, les problèmes ne font que commencer, vu que le mandat sur la Palestine incorpore la déclaration de Balfour, c'est-à-dire qu'on est depuis les origines, hein, 47, 48, on est face à une équation insoluble. C'est quoi un mandat sur un pays qu'on est censé amener à l'indépendance si on considère qu'à l'intérieur de ce territoire, une portion est déjà allouée à une tierce partie. Hein, donc c'est là où on voit, après, crise sur crise sur crise, parce que les Arabes de Palestine ne peuvent pas accepter ce mandat, donc ils envoient de côté l'institution, alors qu'au contraire, les sionistes les surinvestissent, hein, et qu'à chaque crise qui tend les rapports entre communautés, à la fois on creuse un peu plus le fossé entre ces deux communautés, et en même temps, on permet aux sionistes de s'autonomiser en État juif, qui est exactement leur projet depuis Herzl. Hein. Et que plus il y a des grèves générales des Arabes, plus il y a des boycotts des Arabes, plus il y a des protestations des Arabes, plus ils s'organisent en syndicats juifs, entreprises juives, etc. C'est de la fait très très clair. Hein. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais le plus important, peut-être, pour nous, c'est aucune de ces choses. C'est ce qui va se passer à la Mecque et à Médine. Du fait de l'écrasement de la révolte arabe et du projet nationaliste ou national-islamiste qui l'accompagne. C'est qu'en fait, Hussein est toujours
roi du Hijaz. Et en 1924, vous savez, parce qu'on fait comme si c'était le grand moment où les musulmans étaient devenus orphelins, 1924, Atatürk abolit le califat. Alors, reparenthèse, la République turque a vécu sous le système du califat pendant 2 ans. Parce que le sultanat a été aboli en 1922, et le califat en 1924. Donc Atatürk, le grand laïc, avoir un calife quelque part, ça ne m'embêtait pas du tout. Donc, voilà, je ferme la parenthèse. Donc à partir du moment où le calife, et le califat est aboli, par un vote du Parlement turc, c'est intéressant. Donc Hussein va faire acte de candidature. Alors, il faut voir que tout ça est compliqué, qu'on a... les transports ne sont pas ceux de l'époque, ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Donc, il veut attendre la saison du pèlerinage. Pour avoir une assemblée musulmane qui puisse le conforter dans cette ambition de califat. Mais, il avait des voisins. On a toujours des voisins. Et ces voisins-là, et eux, avaient une toute autre vision. C'était la famille Saoud, c'est toujours la famille Saoud, et depuis le milieu du XVIIIe siècle, alors que le monde arabe évoluait dans la Renaissance, dans la Nahda, eh bien eux, ils avaient créé une enclave dans leur oasis d'Arabie centrale, dont tout le monde se moquait tant qu'ils y restaient. Ils inquiétaient plus quand ils allaient à la Mecque et à Médine, avec un idéologue, Ibn Abdel Wahhab. D'où le nom de Wahhabite. C'est une idéologie littéralement anti-Nahda, contre tout ce qu'elle représente, contre la Nahda nationaliste, mais aussi contre la Nahda islamiste. Vu que l'idée, c'est normal, cette idéologie elle correspond à la volonté d'établissement d'une théocratie territorialisée par une tribu d'Arabie centrale. On voit bien que le droit des peuples à l'autodétermination, l'œcuménisme entre sunnites et chiites, c'est pas du tout leur souci. Leur souci, c'est dire moi, bon musulman, toi, infidèle, donc moi, tu es toi. C'est assez simple. Hein. Alors après, on peut en faire des volumes, hein. Mais c'est ça la réalité. Parce que dans l'islam, il y a quelque chose, tout le monde est d'accord. On ne peut pas faire le jihad entre musulmans. Ça, c'est totalement interdit. Donc, pour pouvoir faire le jihad contre les musulmans, il faut les infidéliser. Ça s'appelle le takfir. T-A-K-F-I-R. Donc, ça veut dire que tu crois que tu es musulman. Tu vas à la mosquée. Tu fais même le pèlerinage. Ben, moi, j'ai dit que tu n'es pas musulman. Et à partir du moment où moi, je le dis, je peux te tuer. Donc c'est une idéologie de guerre civile au sein de l'islam. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est que Hussein, affaibli, il a un fils qui était à Damas, qui s'est fait expulser par les Français, il faut qu'on vote pour en faire un roi en Irak, on lui compte la honte. Il a un autre fils qui est roi, mais il y a des Anglais autour, et puis c'est des Tcherkesses qu'il garde. Donc il a quand même une morale vraiment en bas. Et donc, il se dit le califat. Et à ce moment-là, les Saouds, qui évidemment n'ont pas participé à la révolte arabe, ils attendaient le moment. Et le moment qu'il leur est donné, par cette défaite de la famille de Hussein, on appelle ça les Hachémites, parce qu'ils sont descendants de l'arrière-grand-père de Mohammed qui s'appelle Hachem. Et donc, les Saouds font mouvement vers la Mecque et Médine et s'emparent des lieux saints de l'islam en 1925. Donc, non seulement les Occidentaux ont traité les Arabes en vaincus alors qu'ils étaient des alliés, mais ils ont installé au cœur de l'islam, à la Mecque et à Médine, l'idéologie anti-renaissance, au lieu de favoriser la dite renaissance dans les différents États
où il se trouvait. Donc, on va... Ce qui se passe, en fait, c'est que au Moyen-Orient aujourd'hui, j'en parlerai après la pause, c'est-à-dire dans 10 minutes. La pause, c'est dans 10 minutes, j'en parlerai dans 40 minutes. C'est que nous sommes dans ce Moyen-Orient inabouti. Le Moyen-Orient, au sortir de la Première Guerre mondiale, aurait dû être construit sur la base du droit des peuples. Non seulement ça n'a pas été, mais en plus, on a eu la question de Palestine qui a été ouverte. On a eu ces différentes constructions, ces différentes frontières qui sont tout aussi artificielles les unes que les autres, mais il ne faut surtout plus y toucher maintenant, parce que maintenant, la question est de savoir qu'est-ce qu'on met dans ces frontières. Or, on voit que pendant les années du mandat, les Britanniques, instruits par le précédent égyptien, les Français, sans doute par tropisme belliciste, vont réprimer militairement des mouvements qui auraient pu être de nouveau des partenaires pour négocier, ne serait-ce que... Parce que dans le mandat, on était censé faire l'indépendance à la fin. On voit bien que même un de Gaulle, en mai 1945, il fait les massacres de Sétif et de Guelma en Algérie. Et si j'ose dire, l'Algérie, de son point de vue, c'était la France. Mais il fait bombarder la Syrie, qui est indépendante depuis 2 ans. Bon, pour dire que vraiment, non seulement on n'a rien fait pour permettre une accession progressive, stable, d'élites qui auraient une légitimité dans le cadre des frontières postcoloniales, qu'en plus, on les a épuisées. Avec différents soulèvements armés, et puis ce jeu sur les minorités. C'est-à-dire que partout, on a recruté toutes les minorités possibles dans les forces supplétives pour les jouer contre la majorité. Ce qui, évidemment, a, ici et là, suscité des représailles toujours injustifiées, mais malheureusement, dans la logique de ces polarisations professionnelles. Donc, on va avoir 50 ans pendant lesquels les différents États arabes qui sortent, les différents peuples arabes, excusez-moi, vont accéder à l'indépendance, alors qu'ils sont sortis du premier conflit mondial en étant tous colonisés. Avant le premier conflit mondial, la colonisation s'arrêtait à la Libye, qui avait été prise par l'Italie en 1911. Les Britanniques imposent leur protectorat sur la Grande-Bretagne, sur l'Égypte au début du conflit, puis après on a le système des mondes. Et donc de 1922, indépendance formelle de l'Égypte, jusqu'à 1971, qui est la fin du bail britannique sur les États du Golfe, Qatar, Émirats, Oman et Bahreïn, vous avez 50 ans d'indépendance arabe. Mais ce sur quoi je vais me concentrer dans la deuxième partie, c'est comment cette indépendance a été détournée de 49 à 69 par différents coups d'État, dictatures, qui vont mettre en place des régimes qui sont en guerre contre leur peuple. Alors, c'est en Syrie que ça a commencé. Et c'est en Syrie aujourd'hui que c'est le pire. En 1949, vous avez un général qui est un peu corrompu, qui va sans doute passer devant une commission parlementaire, et qui en plus l'année précédente s'est fait positivement étrier par les Israéliens. Réponse, coup d'État. Je perds contre les Israéliens, je gagne contre mon peuple. Je gagne contre mes institutions. Parce qu'avant 1949, il y a eu des interventions des militaires, surtout en Irak. Mais jamais ils n'avaient changé de régime. Là, en 1949, c'est nouveau. Alors j'insiste parce qu'on en est venu à trouver normal que tous les Arabes soient gouvernés par des brutes galonnées. Mais la première fois qu'un général prend le pouvoir, c'est 1949, c'est-à-dire avant-hier. Avant, vous aviez ce que vous vouliez, vous aviez des émirs, vous aviez des premiers ministres, vous aviez des pachas, vous aviez des chefs, mais vous n'avez pas des généraux. C'était pas du tout la pratique.
Hein, donc on voit déjà une militarisation par les putsch. Hein. Donc le premier de ces putsch, pas tout ce qui était, c'est 49 en Égypte, et le dernier, c'est 69, c'est Kadhafi en Libye. Kadhafi étant, il avait une infinité de défauts, mais parfois il était un peu candide. Donc Kadhafi a avoué dans un entretien, en 63, il avait le choix entre la fonction publique et l'armée. Il a dit, moi, j'ai pris l'armée pour prendre le pouvoir. C'est-à-dire qu'on a une génération d'officiers qui rentrent dans les académies militaires pour faire des putsch. Pas pour défendre le pays. Hein, c'est un côté latino, hein, tout ça. Mais, à la différence de l'Amérique latine, qu'on a pourtant connu des effroyables, vous allez avoir des successions de putsch. Hein, la Syrie étant le pire. Hein, et donc, vous avez un processus darwinien où le seul qui survit à la fin, c'est le pire. C'est Assad, par exemple. Il n'y a pas que lui. Et donc, c'est celui qui a réussi à liquider tous les autres. Qui a réussi à poignarder son frère en regardant les yeux, qui a réussi à jeter dans de l'acide son copain de classe en lui disant « Tiens, ce serait bien d'aller se promener. » Voilà. C'est le pire. Voilà. Et donc, on a la mise en place de véritables monstres. Or, ces monstres, ils ont une justification en or. Ils sont anti-impérialistes. Ah, c'est bien anti-impérialiste. Et c'est vrai que dans cette partie du monde, l'impérialisme, c'est pas un mythe. Hein, vous avez vu tout ce que je viens de vous raconter. Et en plus, vous avez Israël, avec les guerres contre Israël. Évidemment, les Arabes perdent à chaque fois. Et du coup, ils sont encore plus anti-impérialistes. À chaque fois qu'ils perdent une guerre, l'anti-impérialisme monte d'un cran. Hein. Puis vous avez un point commun, c'est par exemple dans les prisons d'Égypte, du temps de Nasser, tout le monde était un agent sioniste. Donc, c'est des anciens islamistes qui m'ont raconté comment ils saluaient les anciens communistes. Bonjour, chien sioniste, et toi, ordure du Mossad. Il y en avait un, il était frère musulman, l'autre, il était stalinien. Hein. Mais c'était comme ça. On était tous hein, des agents de l'impérialisme. Alors aujourd'hui, vous écoutez leur propagande, c'est ce qu'ils disent. Hein, agents de l'impérialisme, terroristes, etc., etc. Donc, ce que je vais essayer de montrer donc, après la pause, c'est comment ce système est entré en crise, comment cette crise a été repoussée pour des facteurs exogènes, choc pétrolier, hein, qui a permis une redistribution de la rente, directe ou indirecte, et 11 septembre, qui a permis une redistribution de la rente stratégique. C'est-à-dire que tous ces types, ils sont allés à la queue leu-leu à Washington et ailleurs en disant « Vous voyez, on est le meilleur rempart contre le terrorisme. Hein. » Et comment ce système qu'aurait dû entrer en crise beaucoup plus tôt, s'est prolongé au-delà du raisonnable dans les réalités humaines en produisant des dynasties hein, de type Fès, Bachar. Mais ils avaient tous prévu ça. Hein, Hosni Moubarak, Gamal Moubarak, Kadhafi, Saïf el-Islam, Ali Abdallah Saleh, Ali Saleh. Et comment c'est dans cette situation qu'on est aujourd'hui, mais comment même quelqu'un qui, vous avez vu, quand même peu, se paye peu de mots quand il s'agit de ces régimes, a totalement sous-estimé le potentiel de violence, d'horreur et de barbarie qu'ils étaient capables de déverser juste pour maintenir leur pouvoir. Voilà, bonne pause. Merci. Donc pendant l'heure qui va venir, je vais essayer de vous décrire pourquoi nous en sommes. Et vers où toute cette tragédie pourrait nous conduire. Car il s'agit bien de quelque chose qui va bien au-delà du Moyen-Orient et qui concerne, on le voit malheureusement, plutôt sous un plan sécuritaire, mais de toute façon, ce qui se passe au Moyen-Orient nous concerne tous. On ne peut pas laisser une ville comme Alep, qui est un des berceaux de l'humanité, saccagée, pillée, sans croire. Et croire que notre monde peut continuer comme si de rien n'était. On ne peut pas, comme il y a 3 ans, jour pour jour, laisser 1400 personnes gazées dans une des plus vieilles cités du monde, Damas,
et croire que tout va continuer comme avant. Donc ça nous concerne à différents titres. Et puis il y a la question du Moyen-Orient. C'est qu'en fait, coïncide aujourd'hui la vague révolutionnaire lancée en 2011 avec la fin du Moyen-Orient de la Terre al-Mahan, c'est-à-dire la fin de l'hégémon américain qui s'était substitué sous une forme partielle du fait des puissances coloniales, puis sous une forme beaucoup plus intrusive à partir de 1956 et de l'échec cinglant de la dernière expédition coloniale classique, qui est la guerre de Suez, des Français et des Britanniques avec Israël contre l'Égypte de Nasser. Et depuis, c'est vraiment l'Amérique qui était la puissance dominante sous guerre froide, mais de manière monopolistique depuis la fin de l'Union soviétique et la guerre de libération du Koweït. C'est très impressionnant d'ailleurs de voir que le président Bush père, quand il déclenche cette guerre, c'est pas uniquement pour libérer le Koweït, qui effectivement avait été envahi par Saddam Hussein, qui non seulement l'avait envahi, mais l'avait annexé, ce qui était ajouté l'insulte à l'outrage, mais George W. Bush parle d'un nouvel ordre mondial, c'est-à-dire qu'il a parfaitement lu Mahan ou pas, je ne sais pas d'ailleurs s'il a lu Mahan, je ne l'ai jamais vu, mais il a parfaitement compris que c'est au Moyen-Orient que le nouvel ordre post-guerre froide doit être fondé, hein, que ce soit par la force, c'est-à-dire la guerre de 1990-1991, ou par le processus de paix, et c'est très intéressant, j'ai été diplomate pendant 20 ans, mais c'est pas la paix, c'est le processus. Et un processus, littéralement, ben, ça progresse, mais c'est rare que ça aboutisse. Et ce qui est certain au Moyen-Orient, c'est que la paix, elle est comme la ligne d'horizon, et plus on croit s'en rapprocher, plus elle s'éloigne. Mais le processus participe de la gestion. Or, ce qu'on voit, pour faire très simple aujourd'hui, c'est que les Américains s'enroulent, ou en tout cas les Américains considèrent qu'ils n'ont plus de responsabilité particulière au Moyen-Orient, qui, quand on voit l'histoire récente, est quand même assez ironique, mais qu'en plus, il n'y a aucune formule de rechange qui est mise en place. Donc c'est la fin du Moyen-Orient comme concept stratégique, mais en même temps, c'est le maintien du Moyen-Orient comme générateur de puissance, je l'ai dit. C'est là que Poutine entre dans la cour des grands, c'est là qu'il devient une puissance mondiale. C'est pas en Tchétchénie ou en Géorgie ou en Crimée, c'est en Syrie. Mais c'est là aussi qu'une des acteurs non étatiques, à commencer par l'un qui se part du terme d'État, vous avez compris que je désigne Daesh, hein, et c'est pour ça que je le désigne en arabe, parce que quand je le désigne en arabe, eh bien on n'a pas ce soi-disant État islamique, parce qu'après on peut mettre tous les guillemets qu'on veut, qu'est-ce que les gens entendent, État et islamique. On peut faire tous les colloques sur l'islam après, le mal est fait. En plus, une question de méthode, on dit les talibans, on ne dit pas les séminaristes, on dit le Hezbollah, on ne dit pas le parti de Dieu, on dit le Hamas, on ne dit pas le mouvement de la résistance islamique, on dit Al-Qaïda, on ne dit pas la base. Pourquoi ce serait la seule organisation dont on traduirait le nom en plus de façon tout à fait inappropriée? Donc on voit qu'on a la constante du Moyen-Orient comme générateur de puissance, sauf qu'aujourd'hui, les puissances qui s'en nourrissent sont justement les plus déstabilisatrices, et qu'en même temps, le Moyen-Orient conçu par les Américains, et bien les Américains, vous savez, c'est comme ils sont. Souvent ils disent « Ah, on est des grands enfants, on est un jeune pays. » Bon, un jeune pays, 1776, vous auriez pu atteindre l'âge de raison. Hein. Donc quand quelque chose ne les intéresse pas, ben, ils cassent le jouet. Et là, on a l'impression qu'ils cassent le jouet. Quoi. Ça gaze, ça bombarde dans tous les sens. Ça... Oh bon, ben, Kerry va appeler Lavrov. Et puis si ça ne marche pas, ben, Kerry va appeler Lavrov. Et on a quand même, c'est point de vue historique, hein. ça nécessite une certaine réflexion, un président qui noir sur blanc, hein, dans un interview à Atlantique, c'était au printemps dernier, dit la décision de non-intervention en août 2013 est celle dont je suis le plus fier. Jean Berlin, il n'a jamais dit ça pour Munich. Hein. Et bien Obama, il dit ça, pour le fait de laisser Assad impuni. Revenons donc à la séquence donc 49-69, on a la mise en place de ces
de ces régimes. J'ai appelé les mamelouks modernes. En tout cas, ce n'est pas du tout des dictatures classiques. Parce que la dictature classique, bon, si vous suivez quelques règles de survie élémentaire, vous pouvez espérer, si vous n'êtes pas opposant, vous en tirer. Non, non, non. Là, on est dans des... C'est pour ça que je parle des mamelouks modernes, parce que vous avez exactement ça. J'ai encore retrouvé une chronique mamelouk, justement, de Damas. Vous avez les mamelouks qui déboutent dans le souk et qui disent aux gens, bah, à partir d'aujourd'hui, on est vos associés. C'est-à-dire, concrètement, c'est la mafia qui prend le contrôle de Long Island. Hein. Ben, c'est ça qui se passait, qui se passe dans la Syrie d'Assad, qui se passait dans l'Égypte de Nasser, parce que là, vous avez des militaires qui arrivent dans votre bureau, qui vous disent, ben, j'aime beaucoup votre société, d'ailleurs, j'en prends 50%. Parce que ces systèmes qui se mettent en place ont ce caractère mamelouk, médiéval, qui va bien au-delà des dictatures, qui est un caractère patrimonial. Le pays leur appartient. Hein? Alors parfois ça prenait des formes, j'ai travaillé dans la Tunisie de Ben Ali, quand vous aviez une médaille aux Jeux Olympiques, elle l'a dédiée à Ben Ali. C'était pas elle qui l'avait gagnée, l'athlète. C'était Ben Ali qui l'avait gagné, qui lui avait permis de la remporter. Et vous voyez jusque ça va en termes symboliques. Je parle des Jeux Olympiques parce qu'ils viennent de se clore, mais c'était comme ça que ça fonctionnait. Donc on a cette appropriation. Et on a, pour faire simple encore, des systèmes qui peuvent être de droite ou de gauche, qui peuvent être pro-américains ou pro-soviétiques, mais qui fonctionnent de la même façon. D'ailleurs, ça leur permet de passer de l'Est à l'Ouest assez rapidement, comme l'Égypte de Nasser à Sadat, sans que la structure du pouvoir change en quoi que ce soit. On a donc un parti unique et ou hégémonique, qui est supposé être anti-impérialiste, socialiste, arabe, enfin, que vous voulez, mais dont la réalité, c'est qu'il est une entreprise de quadrillage du pays. Et donc de promotion du président lors des plébiscites, des différents cadres lors de parlementaires qui sont joués d'avance avec éventuellement des partis d'opposition qui sont uniquement en trompe-l'œil. Hein. Donc ça, on a deux partis. Et on a les services de renseignement. Alors, en arabe, ça a un mot, renseignement, c'est Mukhabarat. Hein. Je l'écris, M-O-U-K-H-A-B-A-R-A-T. ES, si vous voulez, je le franciser. Bon, si vous l'entendez pour la première fois, sachez que c'est un des rares mots qui fait trembler autant dans tous les pays. Parce qu'un mukhabarat, il peut tout vous prendre. Votre fille, votre maison, votre vie, comme ça. Et le pire, c'est quand il y a plusieurs services de renseignement. Hein, parce que, au moins, il y avait eu le cas abominable de Giulio Regeni, ce doctorant italien, qui a été torturé à mort en janvier dernier en Égypte. Donc, en Égypte, c'est la pyramide. Donc, il y a un service de renseignement. La sécurité d'État devenue sécurité nationale. Donc, on sait que c'est eux. Ça n'empêche pas que les assassins sont impunis. Mais on sait que c'est eux. Tandis qu'en Syrie, quand quelqu'un disparaît, vous avez le choix entre une demi-douzaine de services de renseignement. De l'armée de l'air, de l'armée de terre, de police d'État, sécurité politique, etc., etc. Donc en plus, vous ne savez même pas ce qui est autour. Ça participait aussi de la volonté d'Assad de ne pas avoir un seul patron des services de renseignement qui soit qui fasse de l'ombre. En revanche, en Égypte, c'était très simple, le patron des services de renseignement était de fait le numéro 2 du pays. Tout le monde trouvait ça normal. Normal. Et Sisi, l'actuel président, donc arrivé par un coup d'État en 2013, il a commencé sa carrière comme responsable du renseignement militaire. Et il est lié matrimonialement avec le patron des services de renseignement des Mukhabarat. Hein. Donc on est comme ça dans des espèces de casques hein, où militaires. Services de renseignement sont alliés, hein, y compris matrimonialement. On a des enclaves fermées, on a des écoles qui sont réservées. Et puis alors, on a un discours extrêmement nationaliste. Hein.
Parce qu'évidemment, dès que vous parlez de droits de l'homme, dès que vous parlez de d'élections libres, etc., ah, c'est une ingérence, c'est un complot du Mossad, la Fondation Soros, etc., etc. Et donc, on a une réaction xénophobe qui s'aggrave. L'Égypte est un des... Moi, j'ai connu l'Égypte aussi hospitalière que le reste du monde arabe. Je peux vous dire que là, c'est en train de... Si quelqu'un aujourd'hui, j'évoquais le cas de Jimmy, qui a quand même été enlevé en plein centre du Caire, hein, pour être torturé à mort pendant 9 jours, si aujourd'hui on crie qu'un occidental quelconque au centre du Caire est un espion, je pense qu'on a un lynchage. Donc, on est en train de transformer ces sociétés sous la violence extrême de ces régimes qui ne veulent rien lâcher. Alors, pourquoi 2011? Pourquoi ça a craqué en 2011? Et pourquoi pas avant? Pourquoi pas avant? Il y a la rente. Et la rente principale, c'est le conflit avec Israël. Ça a été la rente pendant longtemps. C'est-à-dire, si on était d'un côté de la guerre froide ou de l'autre, on profitait du soutien inconditionnel des Américains ou du soutien inconditionnel des Soviétiques. Et pour ça, comme j'ai dit, comme l'Égypte, on pouvait en changer. Le problème n'était pas de changer quoi que ce soit avec Israël, au contraire. Tant que ça durait, on avait les intérêts qui étaient garantis. Et puis parfois, ce dont on a du mal à se rendre compte, et c'est ma pratique, je dirais presque intime, ces monstres qui me permettent de le dire, leurs querelles de pouvoir sont telles qu'ils ne voient même pas ce que ça peut entraîner. C'est-à-dire, il est évident que l'engrenage qui amène à la guerre des 6 jours, en 1967, est un engrenage arabe. Alors que les Arabes n'étaient absolument pas en mesure de gagner quelque guerre que ce soit contre Israël. Le rapport de force était évident. Ils ne pouvaient que perdre. En juin 1967, le tiers de l'armée égyptienne est au Yémen. Dans une expédition coloniale d'Abou-Proton, où d'ailleurs elle utilise les armes chimiques contre la population. Donc, le problème de Nasser, c'était pas Israël, c'était son chef d'état-major, Hamer. Et pour lui, la grande victoire de juin 67, c'est qu'il peut se débarrasser de lui. Alors c'est vrai, il a perdu le Sinaï. Mais il s'est débarrassé de son ennemi intime. Pour les Syriens, c'est encore pire. Ils passent leur temps à s'entre-déchirer sur un processus darwinien que j'ai décrit, et il est maintenant acquis que Assad, à l'époque ministre de la Défense, a abandonné le gouvernement, parce qu'il a replié les unités d'élite sur la capitale, parce qu'il avait peur d'un coup d'État. Donc on voit que dans toute la dramaturgie israélo-arabe, qui a par ailleurs une vraie réalité, hein, qui est les territoires occupés, l'oppression du peuple palestinien, les colonies, etc., ces différents régimes, non seulement ne font rien pour avancer les soi-disant intérêts arabes, mais profitent de ce conflit pour se perpétuer, parce qu'au fond, ils ne savent faire que ça. Il ne faut pas leur demander autre chose. Et évidemment, quand les Palestiniens s'autonomisent en résistance palestinienne et OLP, Organisation de libération de la Palestine, ils sont les ennemis jurés de tous ces régimes. Parce que vous vous rendez compte, non seulement ils veulent perturber le conflit israélo-arabe, mais en plus, ils voudraient qu'un peuple ait des droits. Donc on va avoir tous ces régimes, quelle que soit la main sur le cœur, ce qui incombe sur la Palestine, qui vont se retrouver mis sur une chose, c'est qu'il faut surtout les casser. Et Assad, la dernière ligne droite pour le pouvoir absolu, il la réalise entre septembre et novembre 70. En septembre 70, vous avez une guerre qui éclate en Jordanie entre donc les fédéines palestiniens, Yasser Arafat, et le roi Hussein de Jordanie. Et vous avez le chef de l'époque de la Syrie, que donc Assad voulait dégommer pour s'installer à sa place, qui lance les blindés syriens en soutien à Arafat. Assad est ministre de la Défense. Un ministre de la Défense, je ne sais pas, vous blindez, vous voulez. Non, lui, il garde les avions au sol. Il laisse ses blindés se faire liquider par l'aviation jordanienne. Du point de vue d'un État, c'est une catastrophe. Du point de vue d'un régime, c'est un coup de génie. Il prend le pouvoir 2 mois plus tard et il élimine celui qui avait envoyé les blindés.
Donc le problème aujourd'hui, quand vous entendez dire « il faut parler avec Assad, ah, l'Égypte, c'est important », c'est qu'on ne parle pas des mêmes choses. Nous avons une vision westphalienne depuis le milieu du XVIIe siècle, où il y a des États avec une raison d'État, puis des territoires, puis des peuples, etc. Pour eux, ce n'est pas du tout ça. Pour eux, ce qui compte, c'est les Assad, c'est les Sissi, c'est la bande qui est au pouvoir, hein, et qui a mis le pays en coupe réglée, et qui considère que quelqu'un qui s'oppose à eux n'est plus partie de ce pays, donc peut être exterminé comme un ennemi, même s'il est né, et même s'il est... Je force un peu le trait, mais je vous assure, pas trop. Et il faut voir qu'aujourd'hui, en termes de violence, on est revenu en Égypte à des niveaux inconnus depuis l'invasion de Napoléon, enfin de Bonaparte, en 1798. Les Français n'étaient pas détendants. Quand en Syrie, on est revenu à des niveaux inconnus depuis Tamerlan en 1400. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans des restaurations autoritaires. On est dans des régressions d'une violence absolue qui, évidemment, ne peuvent qu'alimenter le monstre qui s'en nourrit le mieux et le plus à ce jour, c'est-à-dire le djihadisme. Alors, donc, le conflit israélo-arabe permet de prolonger la durée de vie de tous ces régimes qui sont en banqueroute. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il faut essayer de regarder leur bilan un peu. Mais ah, on a besoin d'eux parce qu'ils ont signé Camp David. Ah, on a besoin d'eux parce qu'il y a un cessez-le-feu sur le Golan. Ah, on a besoin d'eux parce que le Liban, quand même, c'est du grand n'importe quoi. Heureusement qu'Assad s'en occupe, etc., etc. Bon. Et puis on a après le choc pétrolier. Hein, donc le choc pétrolier, donc ça va déverser des ressources tout à fait inédites, hein, soit directement, quand les pays sont producteurs de pétrole, Kadhafi, Saddam, soit indirectement, hein, donc l'Égypte et la Syrie qui profitent du pétrole du Golfe, et puis la Syrie qui profite du pétrole iranien. Il faut voir que l'alliance entre la Syrie d'Assad et la République islamique d'Iran est une alliance stratégique qui remonte à 1979. C'est donc une des alliances, c'est avec l'alliance israélo-américaine, l'alliance la plus stable de la région. Donc on voit qu'on... et c'est une alliance qui est une alliance stratégique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un texte iranien disant « nous soutenons Assad parce qu'il est à la route ». D'abord parce que pour eux, les Alaouites, ce n'est pas des chiites. Donc de toute façon, il n'y aura aucune raison de mettre en avant cette solidarité. En revanche, ils parlent d'un axe de la résistance. Concrètement, une projection de puissance iranienne en territoire syrien jusqu'au Hezbollah libanais. Mais jamais ils ne disent c'est parce que ce sont des frères chiites. Jamais, jamais, jamais. Éventuellement, ils disent en Syrie, il y a des lieux saints chiites qu'on va aller protéger. Hein. D'ailleurs, d'un point de vue religieux, c'est tout. C'est vrai, les Alaouites, ils ne sont pas plus chiites que les Mormons sont protestants. C'est autre chose, hein, avec un autre credo, un autre prophétie, etc. Bon. Donc vous avez la rente pétrolière. Et puis après, vous avez la rente Al-Qaïda, la rente djihadiste, et celle qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Alors, ce qui est incroyable, c'est que ces gens déversent des djihadistes sur le continent européen et qu'on continue à avoir... Des bons esprits qui disent « Ah, quand même, il faudrait s'entendre avec eux pour lutter contre le djihadisme. » Alors qu'ils en sont directement les producteurs. Directement. Hein. Un exemple parmi d'autres, vous pouvez lire dans l'excellente revue 21, trimestrielle, hein, il y a un reportage sur la couveuse de Daesh, qui est une prison à côté de Damas, et c'est un ancien... prisonnier politique qui était dans cette prison avant la révolution et qui raconte qu'il a vu tous les types qui sont aujourd'hui à la tête de Daesh passer par cette prison. Et évidemment, il y a des agents doubles, être manipulés par les uns ou par les autres. Parce qu'il faut bien voir que le 11 septembre 2001, pour tous ces régimes, c'est une aubaine extraordinaire. Ils sont en banqueroute financière, ils ont face à eux une jeunesse de plus en plus revendicative, qui est bien éduquée, et en plus, les Arabes ont effectué en deux décennies, en deux générations, excusez-moi, ce que les
Européens ont mis un bon siècle à faire, c'est-à-dire la transition démographique. C'est-à-dire qu'on est passé d'un modèle familial à 7, 8, 10 enfants à des familles à 2 ou 3 enfants avec surinvestissement sur l'éducation et donc regard critique sur l'autorité. Ça s'est passé par là. Au jour d'aujourd'hui, on fait plus d'enfants en France qu'en Tunisie. Donc ce basculement démographique, il amène, mais littéralement, alors il y a d'autres explications, mais il y en a une qui saute aux yeux, même quelqu'un comme moi qui n'est pas démographe de formation. C'est ce qu'on appelle le youth bulge. Moi, j'appelle ça l'effet Shebab. Shebab, c'est un jeune en arabe. Parce que c'est très simple, vous avez une pyramide démographique qui est comme ça. Et entre 15 et 35 ans, vous avez un renflement. C'est ces gens-là qui arrivent entre 2001 et 2020 sur le marché du travail. Évidemment, sur le marché du travail, c'est assez simple. Soit vous êtes du parti, soit vous êtes protégé par les services. Et si vous êtes ni l'un ni l'autre, vous pouvez faire tous les diplômes que vous voulez, vous pouvez avoir toute l'ascension sociale que vous voulez, vous n'y arriverez pas. C'est-à-dire que le soulèvement qui finalement va éclater pendant l'hiver 2010-2011, on va dire 2011 pour faire simple, c'est un soulèvement d'une jeunesse qui a compris sans qu'on ait besoin de lui faire des dessins que la vie qu'elle vivait n'était plus vivable. Parce qu'il n'y avait aucun espoir. Ça ne voulait pas dire qu'ils allaient tous mourir, mais ça voulait dire qu'ils allaient vivre comme des morts vivants, et qu'ils ne voulaient plus. Et que donc, en étant convaincus qu'ils ne le voulaient plus, ben, ils étaient prêts à des actes d'héroïsme tout à fait extraordinaires. J'ai connu comme ça plein de jeunes qui partaient, et qui disaient peut-être que je ne reviendrai pas, et qui n'avaient pas d'armes, hein, qui allaient juste manifester, mais qui ne voulaient pas revenir en arrière. Et on sait qu'un jour, dans le monde arabe tout entier, a retenti un même slogan, mais on ne sait pas comment ce slogan est parti, c'est « Shab yurid iskat al-Izal », le peuple veut renverser le régime. Pas le peuple veut la chute de l'Égypte. Il veut lui la renverser. Ce qui, vous conviendrez, est la définition littérale d'une révolution. Ils ont dit partout qu'ils voulaient une révolution. Là, on a dit « Oh, printemps arabe, un printemps ». Comme ça, vite l'été, on part en vacances, et puis au retour, c'est fini. Et puis alors, il y a des éditorialistes mais géniaux qui ont dit « Après, le printemps arabe, l'automne islamiste. Oh, » faut être fort quand même. Puis il y en a des encore plus géniaux qui ont dit « L'hiver intégriste. Oh, » quel talent, c'est au moins l'Académie française. D'ailleurs, il y a animé à l'Académie française. Donc, on voit que au lieu de prendre en compte un processus révolutionnaire de longue durée, le monde entier et l'Europe aux premières loges, a pensé que c'est une variation saisonnière, une crise de puberté, c'est le printemps, puis après ça va se calmer. Hein. Et puis évidemment, vous avez tous les anciens 68 ans qui eux disaient au moins qui a fait la révolution. Donc là, on était dans les choses sérieuses, c'est-à-dire qu'on était face à des monstres. Les monstres ont été déstabilisés pendant quelques semaines. Quelques semaines, pas plus. Et après, la contre-révolution a commencé. Alors, cette contre-révolution, elle prend différentes formes. Donc, vous connaissez la chronologie. Ben Ali est renversé en Tunisie en 23 jours. Après 23 ans, j'aime bien le parallèle. Moubarak est renversé en 18 jours. C'est-à-dire que soudain, ça s'accélère. Sauf que, en Tunisie, c'est une vraie révolution. D'ailleurs, vous savez, les dates, et c'est pas un tropisme historien, ça ne ment pas. Les Tunisiens célèbrent la chute de Ben Ali. Les Égyptiens, d'ailleurs, ils peuvent même plus le célébrer, mais ils marquent le début de la révolution. C'est-à-dire qu'ils ont bien compris que leur révolution, elle n'a jamais arrêté. Parce que quand Moubarak est renversé le 11 février 2011, il est renversé. C'est un putsch. C'est pas une révolution. On met pas en place une assemblée constituante, comme en Tunisie, de plein pouvoir. On met pas en place des institutions de transition. Nous, on met en place le Conseil supérieur des forces armées. C'est-à-dire une junte militaire, dont on ne saura d'ailleurs jamais la composition exacte. Je pense qu'ils sont entre 20 et 25 membres. Et à l'intérieur de la junte militaire, on demande aux plus jeunes de gérer les jeunes. Le plus jeune s'appelle Abdel Fattah Sissi.
et les chefs du renseignement militaire. J'ai rapporté dans un livre l'anecdote suivante, parce qu'évidemment les militaires continuent à faire ce qu'ils savent mal faire en Égypte, c'est-à-dire du maintien de l'ordre, c'est-à-dire qu'ils tirent à balles réelles. Et ça continue à la chute de Moubarak. Donc à un moment, les révolutionnaires vont quand même en délégation chez Sissi pour lui dire qu'il faudrait que ça cesse. Ce à quoi Sissi leur répond, combien de morts aujourd'hui ? 12. Mais moi, quand je pars en manœuvre dans le Sinaï, j'en perds plus. Effectivement, à ce niveau d'insensibilité, c'est difficile d'avoir un dialogue sur les droits de l'homme. Mais ça va bien au-delà de ça. Il est évident que la junte égyptienne s'est mise en place pour que rien ne bouge et qu'elle a sacrifié Moubarak pour sauver le système. Elle va avoir un allié exceptionnel dans la mise au pas de la contestation. C'est les frères musulmans. Les frères musulmans ne veulent pas de la révolution. D'ailleurs, les frères musulmans ne sont pas dans la révolution en Tunisie. Ils viennent après. Donc les frères musulmans, ils proposent, ça ne se fait pas comme ça, mais en fait un accord avec l'armée pour écraser la protestation révolutionnaire. Là aussi, je me fais assez contre. Ça dure pendant l'année intermédiaire, il y a des appels à la seconde révolution. Et puis, les révolutionnaires égyptiens ont une force inédite, c'est les supporters de foot, hein, qu'on appelle en Égypte les ultras. Il faut savoir que quand ils étaient sur la place Tahrir, sur la place Libération, quand il y avait des raids contre eux, ceux qui tenaient les lignes de front, ce n'étaient pas les gentils Google, Facebook et tout. C'était des ultras qui avaient une formation au combat de rue acquise dans les stades de foot. Donc les ultras constituent assez vite le noyau dur de la force de frappe dans la rue de la révolution égyptienne. Vous ne l'avez pas remarqué, ou peut-être, mais si vous l'avez remarqué, de toute façon, vous avez expliqué que c'était encore un exemple de l'horrible violence footballistique, etc. Mais en février 2012, à Port Saïd, les ultras sont décapités par la mort de 72 de leurs représentants dans une rixe à l'intérieur d'un stade de football. Hein, le tout sous les yeux de l'armée, qui a évidemment organisé le carnage. On a des protestations de rue qui sont affaiblies et qui vont faire que frères musulmans et armées vont se retrouver dans la position qu'ils affectionnent depuis les années 50, qui est celle de la mangouste et du cobra, chacun considérant que l'autre est évidemment le cobra. Vous avez lu le Kiki Kitavi. Bon. Parce qu'à la fin, c'est toujours la mangouste. On a une élection présidentielle qui est organisée et qui est faite par les militaires pour qu'à la fin, il n'y ait plus qu'eux et les frères musulmans. Pour polariser la société, et les militaires sont convaincus qu'ils vont gagner. Ils perdent. C'est un problème avec les militaires, c'est que ce n'est pas forcément ceux qui connaissent le mieux les données électorales de leur pays. Donc on est dans une situation totalement inédite pour les militaires. Ils ont perdu le pouvoir. Ils ont un président islamiste qui s'appelle Mohamed Morsi, qu'on appelle publiquement en Égypte la roue de secours, vu que ce n'était pas lui qui était prévu pour être candidat, c'était un autre, mais qui a été invalidé parce qu'il était en prison à un moment, comme d'ailleurs tous les frères musulmans, mais qu'on a utilisé cela pour l'exclure. Et donc les frères musulmans vont croire qu'ils sont la mangouste. Ils vont éliminer la hiérarchie de CSFA, et promouvoir un général jeune, pieux, et que toute la presse de l'époque accuse de sympathie avec les frères musulmans. J'ai nommé Abdel Fattah Sissi. Quand je vous explique que dans la logique darwinienne, c'est toujours le pire qui gagne, c'est un nouvel exemple. Donc dans la famille des généraux égyptiens, on va se retrouver avec le pire, avec celui qui est capable de sacrifier ses supérieurs aux islamistes, de dire aux islamistes qu'il est avec eux, et finalement de les renverser. Là aussi, je vous fais coup. Donc, en 2003, en juillet 2013, excusez-moi, juillet 2013, mais ça n'est vraiment effectif que le mois suivant, avec l'écrasement des rassemblements de rue des frères musulmans, qui font au moins 2 morts dans le rang.
août 2013. Très intéressant. Vous avez à la fois ces massacres de rue au Caire et le gazage chimique à Damas. Ces monstres se comprennent parfaitement. Chacun regarde l'autre, voit jusqu'où il peut aller, les fameuses lignes rouges. Et à partir du moment où on peut faire ça au Caire, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas faire ça à Damas. Hein, parce que au-delà du fait que c'était plutôt des Kalachnikovs au Caire et des tanks, ils sont en train de faire sous les tanks, et du gaz sarin à Damas, mais aussi des eaux classiques, l'idée était qu'on puisse tuer autant de gens un jour dans la capitale. Et que le chef d'État qui fait ça, non seulement n'est pas mis au banc des nations, mais qu'on considère que c'est un garant de la stabilité. Donc ça, c'est pour l'Égypte. Très rapidement, parce que vous demandez pour le Yémen, on va parler un peu du Yémen, de la Libye, faire très vite, puis continuer sur la Syrie, pour donner la demi-heure de questions. Donc cette contre-révolution, en fait, elle a commencé dans un petit État du Golfe qui s'appelle le Bahreïn, où vous aviez un vrai mouvement constitutionnaliste, qui est écrasé par l'envoi de troupes saoudiennes et des Émirats. Donc on va retrouver les Saoudiens et les Émiratis dans la contre-révolution en Égypte, qui vont dépenser 20 milliards de dollars pour la première année de la contre-révolution. Et on les retrouve aussi en Libye. En Libye, vous avez eu d'emblée un conflit armé, parce que la garde prétorienne va se scinder. Elle va se scinder à Benghazi, entre, pour faire simple, les fidèles de Kadhafi et les fidèles de son ancien chef d'état-major, ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur. Donc vous allez avoir d'emblée les manifestations de rue vont être recouvertes au sens propre par une guerre civile d'une violence à la mesure de l'arsenal que Kadhafi s'est constitué au fil des années, avec une rente pétrolière qu'il a pratiquement gaspillée à sang. Et là, vous allez avoir une intervention de l'OTAN à partir de mars 2011, qui va effectivement éviter un bain de sang à Benghazi. J'ai vu à Benghazi les chars qui arrivaient dans Benghazi et qui ont été éliminés par cette intervention de l'OTAN, mais en même temps, on va introduire une intervention étrangère qui va changer la nature du processus révolutionnaire. Parce que ce n'est pas la même chose une lutte de libération que l'on mène avec les moyens du bord et une opération de l'OTAN en appui à une révolution. D'autant que l'arme de cette intervention de l'OTAN, c'est Nicolas Sarkozy, ce qui prouve qu'il a une arme, c'est que Nicolas Sarkozy, qui non seulement n'a pas lu La princesse de Clèves, mais a fort peu de livres d'histoire, ne sait pas qu'un président en France qui fait la guerre devient impopulaire. Donc, au bout de quelques semaines, il comprend cette triste réalité, et donc la Libye ne l'intéresse plus. C'est le même syndrome que les Américains. Donc ça ne l'intéresse plus. Donc il ne veut plus en entendre parler. Il a fait ce qu'il fallait, il était sur la photo. Donc on va libérer Tripoli, on va faire la photo à Tripoli, puis vite, on va s'en aller avant que tout s'écroule. Évidemment, tout s'écroule. Parce que là, on est dans le cas, on a le pire des deux situations. Une guerre civile, c'est déjà affreux. Une intervention extérieure, c'est déjà une conséquence. Mais quand vous faites une intervention extérieure et qu'elle est immédiatement démontée, alors que les choses sérieuses commencent, vous savez, dans une révolution, le problème, c'est le 15 juillet, c'est pas le 14 juillet. Le 14 juillet, tout le monde fait la fête. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait le 15 juillet. Et si à ce moment-là, il n'y avait plus rien, et qu'en plus, on dit « Ah, bah, ce qu'il faut, c'est faire des élections. » Faire des élections en Libye, dans un pays où depuis 42 ans, il est écrit sur tous les murs du pays, les partis sont l'avortement de la démocratie, où vous n'aviez rien, ni syndicat, ni association, ni quoi que ce soit, évidemment, ça va promouvoir des coalitions soit tribales, soit miliciennes, et pas du tout l'intérêt du pays. La bonne nouvelle en Libye, c'est que malgré tout, et je sais que le gouvernement de l'Union nationale s'est encore refusé dans l'Institut, vous n'avez aujourd'hui que des forces qui veulent le pouvoir en Libye. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le cauchemar séparatiste que tout le monde vous avait dit. Vous verrez, dès que Kadhafi soit parti, le pays va éclater. Ce qu'on a en Libye, si je peux me permettre, si on
constituante à l'arme lourde. Mais ils veulent tous le pouvoir en Libye. Hein, ce qui, actuellement, est dramatique pour le pays, et ce qui en temps prouve qu'il y a, si j'ose dire, un vivre ensemble à l'intérieur de frontières qui sont peut-être les plus artificielles de toutes celles que j'ai évoquées. Hein, mais on a très peu de mouvements séparatistes, y compris en Syrie, le Yémen, vous avez peut-être le pire de la bande. Et vous avez compris qu'il n'y a pas Assad dans mon cœur. Mais c'est normal, parce que si on suit ma logique darwinienne, le Yémen est le pays où l'espérance de vie d'un président est la plus courte. Hein, c'est quand même le seul pays du monde au musée national. Vous avez des limousines de chefs d'État criblées de balles. Ils le montrent. Donc d'ailleurs, Ali Abdallah Saleh, tous les premiers entretiens que vous voyez de lui après sa prise de pouvoir en 78, il était comme ça. Et tout le monde se dit, est-ce qu'il va tenir un mois, deux mois, trois mois? Les gars, il est toujours là. Alors qu'après la Révolution, son palais a sauté, il a été à moitié défiguré, grand brûlé, soigné, il est revenu, et aujourd'hui, il est toujours là. Alors on vous dit, oui, il y a les Houthis, c'est les Roms, c'est les chiites contre les sunnites, etc. Non, c'est Ali Abdallah Saleh qui n'a pas bougé. Enfin, si, à un moment, il a fait semblant de bouger. Il a fait semblant de bouger, tous les diplomates du monde ont dit, c'est merveilleux, on a la formule yéménite. Il ne faut jamais forcer un dictateur au départ, sinon il devient méchant. Donc, on va avoir une transition avec son vice-président. Et il aura l'immunité. Évidemment, il pourra partir avec tout ce qu'il a goinfré pendant tout le temps où il était dictateur. Son parti reste en place, mais dans un cadre démocratique. Et quant aux frères, cousins et autres qu'il a mis dans l'appareil de sécurité, on les changera, mais pas tout de suite. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des gens qui ont cru que ça allait marcher. Donc, histoire de bien décrédibiliser la transition, le nouveau, qui est le vice-président, on le fait plébisciter à 97%, comme tous les dictateurs avant. Donc déjà, on porte un coup terrible au principe même, parce que le Yémen avait connu une protestation pacifique qui était très impressionnante, parce que c'est un pays, vous savez, il y a 3 armes de poing par personne, en moyenne. Moi, j'ai vu les Yéménites qui disaient « Nous voulons la justice par la revanche ». C'est copernicien. C'est une vraie révolution d'exiger la justice. Et donc, on s'est retrouvé avec un dialogue national qui, effectivement, est arrivé et a mis au point toute une série d'étapes à franchir pour une transition réelle. Donc la transition était possible. Sauf qu'il y avait deux forces qui en étaient exclues, Ali Abdallah Saleh et tout ce qu'il conservait à l'intérieur de l'appareil de sécurité, et une guérilla au nord du pays, qu'on appelle les Houthistes, qui viennent d'une zone qui n'est pas plus chiite que les Alaouites, mais sont chiites, mais ce sont des Zaïdites, c'est pas un problème. Mais c'était des. Ali Abdallah Saleh va s'allier à cette guérilla qu'il avait combattue pendant tout le temps où il était président. Et ils vont rentrer ensemble dans sa main. Donc, détruire la transition. Et une fois qu'ils sont dans sa main, si j'ose dire emportés par leur élan, ils vont aller jusqu'à Aden. Alors là, quand même, après Aden, il y a la mer. Donc, là, c'était trop pour l'Arabie Saoudite, qui a donc lancé depuis mars 2015. Une guerre qui est effroyable sur le Yémen, vu que c'est déjà un des pays les plus pauvres du monde. Et maintenant, alors, vous savez, c'est comme quand. Sur la Syrie, ça fait 6 mois qu'on dit 290 000 morts. Comme si ça ne bougeait pas. Le Yémen, ça fait 6 mois qu'on dit 6 400 morts. J'ai des doutes, surtout vu le pays. Donc ça, c'est pour faire très rapidement lui-même, mais le cœur, c'est la Syrie. Et le cœur, c'est pas uniquement la Syrie, parce que j'aime bien la Syrie, parce que j'aime pas ça, et tout. Parce que c'est là où se joue la question du droit à l'autodétermination depuis l'imposition des mandats après la Première Guerre mondiale. Et on voit d'ailleurs que la révolution va prendre le drapeau
qu'est le drapeau de la première indépendance syrienne. Le drapeau révolutionnaire, c'est trois étoiles. Les trois étoiles, c'est Damas, Alep et n'importe quelle autre ville en Syrie, pour justement marteler l'unité de la Syrie face aux divisions de la puissance coloniale française. Le drapeau d'Assad, c'est un drapeau à deux étoiles. Alors les Syriens ont toujours beaucoup d'humour dans la malheur, c'est une blague, dit c'est je te mate, je te perds pas des yeux, Big Brother. Mais en fait, c'est l'Égypte et la Syrie du temps où il y a une république arabe unie. Donc c'est un drapeau qui nie la réalité de la Syrie, face à un drapeau qui, au contraire, l'affirme constitutive contre l'occupant. Donc, en Syrie, vous allez avoir une protestation pacifique qui va rester pacifique à peu près pendant les six premiers mois, avec évidemment des dérapages. Les Syriens ne sont ni des anges ni des démons, mais s'ils arrivent à maintenir la mobilisation pacifique, c'est parce qu'ils ont fait un choix stratégique. C'est parce qu'ils ont parfaitement compris que face à Assad, le passage à la lutte armée va impliquer une escalade, une polarisation professionnelle et une destruction de la civilisation, dans le sens des cités que l'on voit tous les jours. C'est-à-dire les cités syriennes sont en train de disparaître sous nos yeux. Et tout ce qu'on dit sur Palmyre, on a bien fait de le dire sur Palmyre, parce que Palmyre est le plus grand monde qui prospérait intellectuellement depuis longtemps. Tandis que Alep, Homs, Rama, toutes ces villes, elles sont en train de disparaître. Donc on a cette révolution pacifique qui va se voir opposer de la part d'Assad un discours qui n'a pas bougé. Quand je voulais faire de l'ironie facile, je rédigeais des télégrammes de compte-rendu des entretiens avec Assad avant. Parce qu'ils disent toujours la même chose. Mais il y a des gens, le comité de répétition, visiblement, ça ne les trouble pas. Ils y vont, ils disent oh, c'est très important, quelle vision, etc. Ils disent la même chose. Donc Assad disait la même chose, les croisés, ils sont restés 200 ans, et puis ils sont partis, Israël, au bout de 200 ans, ils seront plus grands, puis nous on sera là, puis moi je suis Saladin. Ils disent toujours la même chose. Et Bachar al-Assad, le peuple même, ce sont des agents de l'étranger, CIA, Mossad, Qatar, France, hein, et ce sont des terroristes, c'est un complot terroriste. Si je ne vins pas les terroristes sur mon sol, vous les aurez chez vous. D'où Assad interviewé par TF1 au lendemain du Bataclan avec un sourire jusque-là. Je vous l'avais bien dit. Donc Assad a ce discours. Il refuse toute réforme. Toute réforme. Hein. Au début, les manifestants ne demandaient pas de partir. Les manifestants, ils demandaient, alors c'est vrai que ça a été beaucoup, hein, la levée d'état d'urgence, la libération des prisonniers politiques et la légalisation des partis. Ça a été bien. Donc Assad va chercher à diviser la révolution de deux façons. Et vous voyez qu'aujourd'hui, ce sont les deux axes de fragmentation. La première, c'est les djihadistes. Je vais expliquer, je peux rentrer dans les détails. Et disons qu'il va chercher à djihadiser la révolution. Il n'y a pas de djihadistes, donc il va libérer les djihadistes qui l'entourent. Et il va favoriser les passages à partir de l'Irak. D'où l'État islamique en Irak et en Syrie, qui va émerger deux ans plus tard. Mais il va aussi jouer les Kurdes. Alors il faut voir que, ce n'est pas un paradoxe près, le parti basse, donc de Bachar al-Assad et de Fez, mais aussi de Saddam Hussein, un parti nationaliste arabe qui a mené une politique anti-kurde sauvage. Mais il se trouve que, pour des raisons de maintien de l'ordre, de confiance propre, les services syriens avaient développé une collaboration pendant de longues années avec le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, dont le chef est Öcalan. Öcalan, Abdel Öcalan, a résidé à Damas de 1984 à 1998. Et quand les Turcs exigeaient son départ, ou envoyaient Moubarak demander son départ, Assad disait « Abdallah, comment ?»« Prends son nom, là. Hosni, répète. Oh, c'est pas arabe, comment ?»
Le gars était protégé par la garde présidentielle. Et puis un jour, les Turcs sont rentrés en Syrie, hein, ils sont rentrés 15 km en octobre 1998, et donc c'était déjà plus l'Union soviétique, c'était la Russie. Le premier ministre russe et ancien patron du KGB, Evgeny Primakov, a envoyé son avion privé à Damas et a exfiltré Ocalan, qui ensuite a commencé une course-poursuite au travers le monde, en Grèce, en Italie, pour finir au Kenya, et il est désormais donc détenu sur une île qui n'existe pas sur Google. Hein, ils ont payé fort, hein, les Turcs. C'est le seul, c'est, imaginez, Alcatraz pour un homme. Donc, ce parti avait des fonctions de police en Syrie. Donc, ce que font les Syriens, ce que fait le régime Assad, c'est qu'il va laisser une partie de la Syrie au PKK. Hein, c'est ce que maintenant ils appellent le Rojava, qui est un mot qui a été inventé avant-hier, hein, qui sont différentes zones à majorité kurde. C'est là où on revient toujours sur la question des minorités, parce qu'évidemment les Kurdes sont minoritaires en Syrie. Dès qu'ils deviennent majoritaires au Rojava, c'est bizarre, et ben, on est assez mal si on est assyrien, arabe ou tcherkesse. Parce que la majorité localement, hein, elle vous traite aussi mal qu'elle était traitée elle-même comme minorité par la majorité de l'ensemble précédent. Donc on a kurdisation, djihadisation et une révolution syrienne qui est incapable d'assumer l'option militaire. Ça, je l'ai vu très concrètement. L'option militaire, c'est quelque chose de grave. Quand une révolution s'engage dans la lutte armée, il faut qu'elle ait tout l'appareil conceptuel qui accompagne cette lutte armée. Or, la révolution syrienne ne s'en est jamais dotée. Elle est restée sur les illusions pacifiques du début. Et dans son programme, elle n'a pas assumé la lutte armée, d'abord parce qu'elle en avait peur. Elle avait peur qu'on l'accuse de terrorisme, et on voit que cette peur était justifiée. Et ensuite, par un processus assez simple, c'est que les gens qui ont fini par la représenter à l'extérieur ne sont pas, ne donnent pas d'ordre aux représentants militaires de l'intérieur. Alors en France, on connaît ça. Ça ne se fait pas simplement. Il y a un moyen par lequel vous pouvez valider la direction intérieure auprès de la résistance intérieure. Il est très simple. C'est la livraison d'armes. Jean Moulin a accompli un travail énorme, mais si les anglo-saxons n'avaient pas décidé qu'ils livraient des armes sous l'autorité de la France libre, la résistance française, elle était dans un état d'éclatement qui n'avait rien à envier à la résistance syrienne aujourd'hui. Donc vous n'avez pas eu ça, donc vous avez eu une localisation, une milicianisation, qui évidemment s'accompagne de crimes de guerre. Moi, j'étais un des premiers à dénoncer les crimes de guerre commis par l'opposition syrienne. Mais il n'y a aucun rapport entre les crimes de guerre de l'opposition syrienne avérés, documentés, nombreux, horribles, condamnables, et les crimes contre l'humanité qui ont été commis par le régime, que ce soit le gazage, mais aussi la liquidation systématique dans les prisons qui sont des camps d'extermination. On a dissident, défecteur, déserteur, un seul qui a pu documenter 55 000 photos, en fait ce sont 11 000 cas, uniquement pour Damas. De personnes mises à mort, y compris de faim, dans les prisons. Je ne vais pas revenir sur toutes ces horreurs. Ce qu'il faut, c'est comprendre que ce qui se joue en Syrie, c'est l'avenir du Moyen-Orient, et donc j'ai écrit, je persiste et je signe, c'est de Syrie que sortira demain la force déterminante pour la recomposition de toute la région. Or, on voit qu'actuellement, ce qui sort, c'est plutôt du djihadiste ou du dictateur, ou de l'intervention russe et iranienne au profit du dictateur, ce qui est donc la même chose, mais en démultiplié. Mais ça ne change rien. C'est-à-dire que de toute façon, c'est en Syrie, pour le meilleur et pour le pire, que la région se recompose. On voit qu'on arrivait en Libye dans une espèce de j'ai dit assemblée constituante à l'arme lourde qui va déboucher à un moment ou à un autre, mais qui fera que dans toute cette période sanglante, terrible, va se construire un récit national
C'est-à-dire que demain, les monuments aux morts en Libye, ça sera les monuments aux morts contre Kadhafi, il y en a déjà, ça serait les monuments aux morts contre Daesh. Et donc, les martyrs de la résistance anti-Gilets. Donc c'est comme ça aussi qu'on construit un pays. C'est pas en France ou en Belgique qu'on dira le contraire. En Égypte, on est dans une impasse. On est dans les impasses égyptiennes habituelles où, comme ils sont dans une impasse, ils attendent que le reste du monde paye. Hein, au nom de la stabilité. Alors, bonjour la stabilité. Parce que, donc, des niveaux de violence inconnus, et puis surtout, une insurrection au Sinaï, qui, quand les militaires ont pris le pouvoir, était localisée, qui maintenant peut faire sauter un avion russe, a prêté allégeance à Daesh, et qui, peut-être demain, peut, là, il faut que je vérifie, mais les derniers tirs de roquettes depuis Gaza contre Israël ont été commis par des djihadistes. Est-ce que c'est des djihadistes du Sinaï infiltrés à Gaza? Je ne sais pas. Et donc là, on a, non seulement on n'a pas un ferment de stabilité, mais on a possibilité d'un conflit d'un type nouveau, hein, où Israël, qui d'ores et déjà intervient au profit de l'armée égyptienne, tellement celle-ci est nulle, hein, y a pas d'autre mot. Hein. Y a quelques semaines, la force d'observateurs dans le Sinaï, une force multinationale d'observateurs pour surveiller a évacué une position. Et ils ont donné les coordonnées GPS aux Égyptiens pour que les djihadistes ne prennent pas la position. Les Égyptiens ont tiré 16 obus. Il y en a un qui a touché la cible. Moi, j'aime pas les tirs aux pigeons, mais j'aime encore moins les tirs qui ne touchent pas les pigeons. Hein ? Et l'armée égyptienne, c'est ça. Hein ? Donc, bon. On voit, là, ils demandent 12 milliards au FMI, ils ont retendu la CEBI dans le Golfe, mais de toute façon, on est dans une impasse. Il se passe en Égypte, dans l'indifférent général, si vous avez trouvé un article là-dessus, je vous en prie, signalez-le-moi, mes coordonnées sur le site de Sciences Po, c'est que la courbe de la fécondité remonte. Ça, les démographes n'ont jamais vu. Sauf dans le cas de la Chine, avec la fin de la politique de l'enfant unique. C'est-à-dire que Sissi, qu'on nous présente comme le roi contre les islamistes, etc., a démoli tous les programmes de contrôle des naissances, fait de la politique nataliste la plus débridée, tout simplement parce qu'il a compris que la clé de la révolution, c'est l'émancipation féminine. Et que si retransforme les femmes en couveuses, excusez-moi, eh bien, il a gagné une partie du combat qu'il mène contre sa propre société. Donc la régression, c'est pas uniquement la violence, c'est y compris dans la fécondité, c'est-à-dire dans le plus intime. Dans le plus intime. Et aucun démographe ne comprend ce qui se passe. Parce qu'évidemment, moi j'ai des explications politiques, et eux ils me disent « Ah, mais c'est pas comme ça, bon, c'est le professionnel. » Mais j'attends qu'on... Bon, là aussi, vous voyez que on en parle peu. On parle de la sécurité en Égypte, du tourisme, etc. La pire nouvelle de l'Égypte, c'est la remontée de la fécondité. C'est spectaculaire. On est en train de régresser sur 20 ans et de revenir à des niveaux à 5 enfants, 6 enfants, alors que la transition démographique était effective. Et puis vous avez la régression djihadiste. Donc soit vous avez une armée qui est tellement nulle comme l'armée égyptienne que de fait elle permet aux djihadistes de grandir et que le fait qu'elle amalgame toute l'opposition au terrorisme, bah, automatiquement elle fait le jeu du terrorisme. Parce qu'à ce moment-là, si vous manifestez pacifiquement, comme Shaima Sabar, hein, qui est allée le 25 janvier 2015, c'est une mère célibataire de 30 ans, hein, de gauche, qui va porter des fleurs sur la place Tahrir au nom des martyrs, elle est battue dans le dos par une charge de chevrotine, et la seule chose que trouve à dire le procureur, c'est « elle n'était pas assez grasse ». Sinon, elle aurait pu absorber les éclats. Hein ? Quand on est à ce niveau d'infamie, hein, effectivement, il y a un degré suivant, c'est la Syrie. Alors la Syrie, là, on est c'est-à-dire, là, il y avait un slogan des partisans du régime qui était « Assad, on nahrik al-balad ». Assad, où nous brûlons le pays. C'est exactement ce qu'ils font.
C'est-à-dire que vous avez la moitié de la population qui a été expulsée de ses foyers par la force. Hein, une partie à l'extérieur et une partie à l'intérieur. Et que vous avez donc officiellement 290 000 morts. Moi, je pense que c'est beaucoup plus. Hein. Quand j'étais sur le terrain en Syrie, tout ce que je voyais était bien pire que les chiffres qui sortaient à l'étranger. Sans compter que le système hospitalier a été détruit systématiquement dans les zones révolutionnaires. C'est-à-dire que donc, quand on est blessé, ben, généralement on meurt. Hein, donc, sans compter les fosses communes, les disparus, etc., etc. Donc là, on est arrivé dans une situation où il faut, à mon sens, à tout prix arrêter la descente aux enfers, pas seulement pour la Syrie, mais pour nous tous. On voit bien que c'est la Syrie qui a été l'aimant qui a fait que, ici, en France, ailleurs, des gens sont rentrés dans Daesh. Hein. C'est la Belgique qui avait été frappée la première, en mai 2014, avec l'attaque contre le musée juif, par Mehdi Nemmouche, ancien geôlier d'otages français en Syrie. Mehdi Nemmouche lui-même français, arrêté à Marseille, peu après, avec un arsenal qui... aurait probablement pu provoquer un massacre. Donc on est en mai 2014. Il n'y a pas la moindre intervention occidentale dans la région. Hein. Donc évidemment, le discours djihadiste va renverser, c'est-à-dire nous sommes en défense, nous vous frappons parce que vous nous frappez. La réalité, c'est qu'on a laissé se développer ce foyer hein, beaucoup trop longtemps. D'abord en laissant Bachar el-Assad prospérer, et ensuite, en laissant ces véritables autoroutes du djihad amener jusqu'en Syrie, autoroutes du djihad qui continuent. C'est-à-dire, on est là, oui, on frappe ici, on frappe là. Ben, la première chose à faire, c'est de couper le cordon ombilical qui lie le monde extérieur à Raqqa et Mossoul. Et on sait très exactement, moi je peux vous montrer sur une carte, par où ils passent tous. Hein. Et alors, pourquoi ? Ben parce que, à part la Belgique, à part la France, qui ont été touchés dans leur chair, au fond, personne n'a Daesh pour priorité. Les Turcs, leur problème, c'est les Kurdes. Les Kurdes, leur problème, c'est les Turcs. Les Iraniens, leur problème, c'est l'Arabie. L'Arabie, son problème, c'est l'Iran. Assad, son problème, c'est l'opposition. La Russie, son problème, c'est Assad. Et Obama, tout ce qu'il veut, c'est regarder vers le Pacifique et que l'on ne bête plus avec cette région pour lui arriérer. Parenthèse, quand je dis à mes amis chinois ou japonais, vous savez, Obama, il pense que vous êtes rationnel, ils sont morts de rire. Morts de rire. Nous, rationnels. Mais il y a l'Europe qui est irrationnelle, il y a le Moyen-Orient qui est ingérable, il y a Netanyahou qui ne peut pas s'en tirer, donc il ne veut pas s'en occuper. Hein, et vous avez eu droit au cours de la convention de Philadelphie à un extraordinaire discours où il a dit je fais confiance à Hillary Clinton pour finir le travail. Et en face de ça, vous avez Trump qui dit Obama a fondé Daesh. Alors vous voyez le niveau. Hein. Donc c'est sûr qu'avec un débat pareil, on ne va pas attendre un réveil américain. Hein. Donc on a cette réalité qui est terrible, mais au fond. Si on revient à 2011, c'est la chute du mur de la peur des Arabes. C'est un événement aussi important que la chute du mur de Berlin. La chute du mur de Berlin, l'Europe n'a pas ménagé sa peine, elle n'a pas ménagé son énergie, elle n'a pas ménagé son argent. Moi, j'ai fait les premières missions en Roumanie, où ils nous expliquaient, on a la garde à vue à 30 jours. C'est très pratique. J'ai dit, oui, c'est très pratique, mais c'est pas européen. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait après 2011 ? À part dire, oui, les Arabes, le printemps, oui, oh, les islamistes, oh, les élections. On n'a rien fait. On a fait comme si c'était leur problème, alors que c'était déjà le nôtre. Non pas du fait de responsabilité coloniale. Je suis absolument pas dans ce type... De repentance qui ne sert à rien du point de vue historien, qui peut servir tel ou tel homme politique, mais du point de vue historien, ce qu'il faut, c'est construire une histoire partagée, une histoire qui soit commune, une histoire dans laquelle on appelle les mêmes choses par les mêmes noms, hein, et non pas opération de pacification d'une part et guerre de libération d'autre part.
Donc, on voit bien qu'on n'a pas été du tout dans cela. Et ce qui fait que cette lutte pour l'émancipation, qui, on va dire sur un siècle, mais on pourrait remonter encore plus loin si on voulait. Mais c'est certain que de 1920, de 1916 à aujourd'hui, donc sur un siècle, on a cette continuité, on n'a pas du tout voulu le comprendre, ou au contraire, on veut rétablir des murs. Alors, je dirais, le seul avantage, c'est que le mur turc, on ne peut plus du tout compter dessus. Ça, l'idée qu'on va avoir la Turquie qui va faire, quant aux dictatures, elles exporteront encore plus d'instabilité, de terrorisme et de réfugiés. Donc, tout cela signifie qu'on est dans une phase révolutionnaire qui va mener à un monde nouveau. Mais ce n'est pas joyeux, les phases révolutionnaires. Mais je crois, et c'est en tout cas ce à quoi j'ai voulu me livrer aujourd'hui, vous avoir prouvé que la contre-révolution serait encore pire, parce qu'elle ne serait pas le statu quo hanté. Elle serait Assad plus Sisi, plus le Yémen, plus, et ça s'aggraverait encore plus. Donc on est à ce tournant historique, et une fois que j'ai fait cette démonstration, je crois qu'on va avoir une demi-heure pour les questions et les réponses. Merci. Est-ce que l'avènement d'un nouveau sultan, c'est un peu ironique quand je parle comme ça en Turquie, ne risque pas encore de compliquer la donne? Ah ben tout à fait. Non mais quand vous dites nouveau sultan, vous avez raison. Hein. Il pense comme un sultan. C'est-à-dire qu'il coupe la tête de tous ceux qui pourraient lui faire de l'ombre. Mais on peut... Moi je milite pour les droits de l'homme, donc évidemment je milite pour les droits de l'homme en Turquie, etc. Mais repensons maintenant. Comment a-t-on pu laisser la Turquie en arriver là? C'est tragique pour la Turquie, mais pour l'Europe, c'est juste de la folie. Comment avons-nous pu laisser le pays qui nous sert de rideau avec les réfugiés et les djihadistes sombrer dans une telle situation? Et en arriver à cette situation où nous nous posons en position de demandeur, et que nous allons essayer de leur fourguer des milliards d'euros pour qu'ils gardent, s'il vous plaît, les réfugiés. C'est incroyable. Tout ça pour ne pas avoir une relation saine, responsable, qui participe parfois par des moments désagréables avec les Turcs. Donc, je vous signale qu'il y a eu le 15 juillet une tentative de coup d'État en Turquie. C'est quand même une tentative de coup d'État. Et que, depuis le 15 juillet, eh bien, pas un Européen n'est allé en Turquie. Quitte à leur dire, c'est pas bien ce que vous faites, pas un. Alors, qu'est-ce qu'on croit qu'on peut gérer ça en télécommande? Qu'un pays pareil, ça peut se caporaliser à distance? Donc, on aurait dû, et je crains que je ne puisse pas le refaire maintenant, s'approprier comme Européen le processus de paix avec le PKK. Dire ce processus de paix entre Ankara et les Kurdes est important pour l'Europe. Et il est important pour l'Europe. Et maintenant, on voit bien qu'il n'est plus à l'ordre du jour. Plutôt que de dépenser je ne sais pas combien de milliards pour qu'ils réadmettent les réfugiés, on aurait dû dire, nous affectons, je ne sais pas moi, allez, un demi-milliard d'euros, vu les sommes en jeu, vous savez, au développement du Sud-Est et à l'ouverture d'institutions en langue kurde, etc., etc. On ne l'a pas fait. On s'est comporté avec les Turcs avec un mélange d'arrogance. Ça, je peux vous dire que les Turcs, ils n'oublient pas. D'incompétence. Et évidemment, de bureaucratie. C'est-à-dire que chaque fois que les Turcs parlaient politique, on leur disait « Ah, l'alinéa 38 de la Convention de 1958, etc. » Et on est arrivé à cette situation qui est terrible, hein. Mais pour une fois, la responsabilité est partagée, c'est que j'avoue ne pas comprendre l'attitude européenne. Enfin, on sait dans quel état est l'Europe, donc on a quelques idées d'explications. Mais les États-Unis,
Il y a quelque chose qui s'appelle l'OTAN. J'ai cru comprendre que c'était important pour eux. Le pilier sud de l'OTAN, c'est la Turquie. Quand des Sukhoï violent l'espace aérien turc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien non, on dit aux Turcs de la fermer. Et quand les Turcs en descendent, ah, c'est l'OTAN qui fait une crise et qui désavoue la Turquie. Donc après, on peut penser ce qu'on veut des alliances. Hein. Mais une alliance qui est à la carte, où on défend les chrétiens, excusez-moi, d'une certaine façon, et les musulmans d'une autre façon, eh ben, ça encourage les pires dérives. Oui ? On a parfois le sentiment que ça rejoint un peu ce que vous disiez, mais qu'au niveau européen, en tout cas, et même américain, il n'y a plus aucune stratégie. C'est même plus de la ligne politique. Je pense ici, notamment, quand on voit les ventes d'armes, la France qui vend un portable en Égypte, la Wallonie qui vend 3 millions, 400 millions d'armes en Arabie Saoudite, les bombes que l'on vend en Arabie Saoudite en Wallonie, tout comme les équipes de guerre, tout ça, ce qui compte, c'est d'abord l'économie de nos pays. Parce qu'il n'y a pas vraiment une stratégie de derrière, à part celle de représentants de commerce qui essaient de publier les contrats. Moi, je n'irai peut-être pas aussi loin dans votre raisonnement, parce que bon, la balance extérieure, c'est pas rien, et l'économie, c'est pas rien. Je pense que il n'y a pas de vision, et que dans une situation révolutionnaire, il faut plus que jamais être clair sur les alliances, sur les priorités. Et sur effectivement les ventes d'armes, je peux que vous rejoindre. Il faut savoir si ça aide ou ça aide pas, ça calme ou ça calme pas. Ça, bon, moi, le seul connaissant l'armée égyptienne, je suis quand même convaincu que le porte-avions, c'est pas avec celui-là qu'ils feront des dégâts contre leur population. Il leur suffit de fusils à répétition et malheureusement, on peut le dire, de matraques, de couteaux et d'instruments de torture, tout ce qu'il y a de plus médiévaux. Vous n'avez pas parlé beaucoup de l'Arabie Saoudite. Oui. J'en ai parlé d'abord pour dire que cette Arabie Saoudite qui s'installe au cœur de l'islam, elle ne s'installe pas par hasard. Elle s'installe parce que les Européens ont saboté la renaissance arabe et ont donc ouvert un boulevard à cette version la plus intolérante, la plus rigoriste de l'islam. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'Arabie Saoudite va donc devenir, à partir du moment où le Moyen-Orient est directement géré en tout ou partie par les États-Unis, comme un des deux piliers, hein, le pilier sécuritaire en contrepartie de l'approvisionnement énergétique avec l'Arabie, et le pilier de défense d'Israël. Et que, grosso modo, on a beau dire, ça tient à peu près jusqu'à aujourd'hui, hein, quelles que soient les tensions qu'il y a dans la relation saoudo-américaine. Alors, l'Arabie saoudite, elle, les problèmes sont devant elle. Mais ils sont nombreux. Parce qu'il faut qu'un pays qui est le seul au monde dont les ressortissants sont appelés par le nom de leur souverain. Hein, je sais pas, on ne dit pas les Bourboniens en Espagne, les Hacheméens en Jordanie, on dit les Saoudiens. Hein. Il faut que ce pays ait une identité nationale. Hein, qui soit donc distincte de celle de la famille régnante. C'est pas évident, mais ça veut dire aussi qu'une opposition saoudienne, elle peut difficilement être plus saoudienne que les Saouds. C'est un sacré défi qu'on a vu au cours des années écoulées. Donc il y a un côté, la guerre du Yémen, c'est une guerre aussi de construction de l'identité nationale saoudienne. C'est une guerre qui, au moins au début, était populaire. Qui le reste parce que les pertes saoudiennes sont très limitées. Les Émirats ont eu plus de pertes. Donc l'Arabie saoudite est par ailleurs un pays où les problèmes que j'ai décrits sur la jeunesse, le travail des femmes, etc.,
vont se poser après-demain. En Arabie Saoudite, il y a plus d'étudiantes que d'étudiants. Donc, on ne va quand même pas continuer éternellement à leur interdire de conduire. Et récemment, il y a une grande avancée théologique disant qu'elles étaient aussi des êtres humains. Donc, tout ça devra évoluer sous des formes que je suis incapable d'anticiper. Mais je crois là aussi que la Syrie est la clé. Parce que la Syrie est une question de politique intérieure très forte en Arabie. D'abord, vous avez énormément de Saoudiens dans Daesh. Sinon, on ne voit pas comment Daesh serait capable de frapper Médine en plein Ramadan. Donc, la lutte est à mort entre Daesh et le régime saoud. Ils ont connu ça avec Al-Qaïda de 2003 à 2005 et ils ont vaincu. Mais là, Daesh, c'est une toute autre dimension. Mais surtout, en Arabie Saoudite, vous avez des liens familiaux très forts avec la Syrie. Pour toute une partie de la population, qu'elle soit d'origine syrienne ou qu'elle soit, bon, un exemple qui n'est pas très, très ragoûtant, mais c'est comme ça, mais Ben Laden, sa mère était syrienne. Il y a énormément de familles mixtes. Et puis, la Syrie, c'était l'endroit où la petite bourgeoisie saoudienne allait passer ses vacances. Vous savez, ils ne peuvent pas tous aller sur la Riviera ou à privatiser des plages. Il y a plein de Saoudiens qui ne sont pas riches du tout. Alors, ils prenaient la voiture, ils mettaient femmes et enfants dans la voiture et ils remontaient en voiture jusqu'à Damas ou Alep. Donc, ils connaissent très bien la Syrie. Donc, s'il y a un pays du monde qui sait que l'armée d'Assad, c'est pas grand-chose, c'est bien l'Arabie. Et autant sur Israël, ils sont capables de comprendre que les États-Unis, l'alliance stratégique, fait que bon, la Palestine est aux abonnés absents, autant sur la Syrie, le fait qu'Assad soit encore au pouvoir est un sujet majeur de troubles à l'intérieur de l'Arabie. Donc, il faut savoir que pour l'Arabie, comme d'ailleurs pour la Turquie, la République islamique d'Iran, évidemment, c'est des sujets de politique intérieure, de stabilité du régime. C'est pour ça qu'ils sont capables de faire parfois des emballements terribles du côté salafiste, parce qu'ils ont peur pour eux. Oui. Vous nous avez expliqué que, en majeure partie, ce n'est pas exclusivement ce qui motive la politique de ces États arabes, de ces régimes, c'est de maintenir leur mainmise sur le système qu'ils ont mis en place. Vous n'avez pas eu l'occasion de parler de la République islamique d'Iran, où on a du mal à imaginer un tel système. Et vous avez peu parlé de l'influence de l'islam. C'est un peu le sujet de notre formation toute cette semaine, hein. L'influence de l'islam sur les modes d'action et de pensée de ces régimes, et en particulier de celui de l'Iran, qui, en tout cas pour nous, ceux qui regardons ça d'Europe, pensons que c'est celui qui est le plus sous l'influence d'une motivation religieuse. Bon, moi, je suis historien, donc moi, je parle des faits, et il y a très peu de... Dans tout ce que je viens de vous évoquer pendant un siècle, qu'est-ce qui est motivé par la religion? Hussein, quand il demande le califat, les Saoudiens, quand ils prennent la Mecque et Médine, sinon, vraiment très peu de... Alors, le problème, c'est que... Mais ça, c'est sans doute ma déformation. C'est que moi, j'ai écrit tout un chapitre de mon livre qui s'appelle « Les musulmans sont bien d'autres choses ». Or, nous, on a tendance à... Un musulman, il est que musulman. Et tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il est musulman. Or, si vous prenez la révolution égyptienne, par exemple, si vous mettez la variable musulman au début de la machine, ce qui sort est totalement imprévisible. C'est-à-dire, vous avez des gens qui sont athées, qui sont contre-révolutionnaires ou révolutionnaires.
des gens qui sont frères musulmans, qui sont pour la confrontation, d'autres qui sont pour l'accommodement avec les militaires, des salafistes qui sont dans la rue ou des salafistes qui sont pro-Moubarak. Donc en fait, l'islam n'explique rien, je suis désolé, mais c'est un très beau sujet d'étude. Mais si vous voulez utiliser la variable islam pour comprendre comment les gens vont réagir, là, je pense qu'on va à des impasses. En revanche, vous pouvez parfaitement comprendre, et je le vois tous les jours, que des gens qui sont bombardés, massacrés, violés, exterminés, eh bien, ils se replient dans l'islam. Et là, on a souvent des vrais contresens. C'est-à-dire que quand vous êtes face à des monstres comme le régime Assad, l'idée d'une charia, c'est-à-dire d'une norme, peut paraître comme un recours. Ça ne veut pas forcément dire mettre en place la République islamique. Mais je vais vous donner un exemple. J'étais dans une zone révolutionnaire d'Alep, assez dure, sur le front. Et il y avait un problème avec un dissident d'Assad, dont on avait de bonnes raisons de croire qu'il avait peut-être tué des gens sur la ligne de front avant de faire défection. Donc les parents de ces gens voulaient qu'ils soient mis à mort, et la révolution voulait le garder parce que c'était une prise importante. Donc ils ont réuni une cour islamique. Alors évidemment, si vous envoyez, bon, je ne vais pas citer de nom comme reporter, vous aurez une image dantesque. En fait, c'était assez zarbi, enfin, c'était très syrien, quoi. C'était, tout le monde avait les chapelets, tout. Bon, c'était depuis tout le temps, là où on va, là où on va. Puis à la fin, ils ont dit, bon, on va le mettre en prison. Le temps qu'il apprenne la deuxième sourate du Coran par cœur. C'est la plus longue, c'est la plus difficile, elle s'appelle la vache. Bon, voilà. Donc, en fait, alors on peut dire, ah ben c'est une sentence islamique. Ah, ils sont totalement islamistes. Ah, c'est des djihadistes. Ah, c'est... Non, en fait, ils avaient trouvé un accommodement. Hein, voilà, c'était. Et parce que, à partir du moment où vous n'avez pas. Où tous les juges étaient corrompus, où tous les services de l'État étaient. Ben, la population, elle se tourne, mais ça on l'a vu en France, dans les périodes de troubles, vers l'autorité morale de proximité, c'est-à-dire le curé de village ou le cheikh. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont islamistes. Et cette cour islamique, elle aurait pu rendre n'importe quel autre verdict. Elle aurait pu dire qu'il peut être fouetté, elle aurait pu dire qu'il peut être assassiné. Mais rien n'était prévu. Alors l'Iran, c'est très intéressant parce que l'Iran est biface. Vous avez la République islamique qui a tellement bien fait son travail qu'elle a probablement laïcisé la société iranienne comme aucune des sociétés de la région. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Iraniens, s'il y a quelque chose qui les rassemble, c'est de dire on ne veut plus les mollahs, on ne veut plus qui nous laisse tranquilles. Et de fait, quand vous êtes en Iran, vous arrivez à ce décrochage qu'on n'a pas dans le monde arabe. En arabe, les mohabarats sont partout. Tandis que, en fait, en Iran, regardez tous les films qu'on voit ici, vous avez des accommodements raisonnables avec l'extérieur, et dès que vous êtes à l'intérieur, vous êtes tranquille. Alors que la clé du système de type Assad, Sisi ou autre, c'est qu'il n'y a pas de vie privée. C'est qu'à tout moment, on peut faire irruption. Donc ça déborde de temps en temps, vous avez des comités qui viennent dans des soirées fines à Téhéran et qui embarquent les caisses d'alerte. Enfin bon. Si vous voulez, si vous avez une cirrhose du foie ou si vous avez des problèmes de libido divers, il ne faut surtout pas aller en Iran. Parce que alors là, c'est là où tout dégénère. Hein. Donc tout ça avec une république islamique. Hein. Donc, alors ça, c'est déjà le rapport société-régime. Mais ce qui nous intéresse, c'est régime. Or, le régime, il y en a deux. Mais c'est prévu dans la Constitution. C'est-à-dire que dès la Constitution... Alors déjà, une république islamique avec une constitution. Ah, c'est intéressant. Mais dans la constitution, vous avez des références au Mahdi, donc à l'imam caché. Donc ça, c'est l'aspect théocratique. Et cet aspect théocratique, il est garanti par le guide de la révolution, qui lui, par définition, n'est pas élu. Il y a une espèce de coup d'État à la mort de Khomeini qui a fait qu'on a promu Khamenei, dont n'importe quel théologien chiite un peu conséquent considère qu'il a l'équivalent d'une licence. Hein ? On l'a promu comme grand ayatollah. Pourquoi ? Parce qu'il est garant du régime. Le régime sur lequel personne n'a prise. Avec le gardien de la révolution, avec tous les types qui font la guerre en Syrie, en Irak, sans doute au Yémen, de temps en temps au Liban. Ça, c'est le régime. Puis on a les institutions élues.
Et ça, c'est les gens les plus sympathiques du monde. Rouhani, Zarif, etc. Sauf qu'il y a toujours un moment où, quand ils se tournent vers le régime, on leur tape dessus. Et donc, on a ce vrai défi qu'est l'Iran, et auquel Obama a malheureusement contribué par l'accord sur le nucléaire, c'est que, avec l'accord sur le nucléaire, il a cru apaiser le régime. Or que la seule chose qu'il a faite, c'est valider sur la scène internationale des gens qui étaient faits pour être validés, c'est-à-dire Rouhani, son ministre des Affaires étrangères, etc. Mais que le cœur du régime, lui, reste le même, et qu'on le voit, comme je vous le dis, tous les jours au Moyen-Orient. Avec une économie parallèle, contrôle. Alors on dit, ah oui, mais on va lever les sanctions, donc ça va renforcer la bourgeoisie qui peu à peu va s'imposer face aux gardiens de la révolution. Ça, à mon avis, c'est un calcul, un bon calcul, hein, mais c'est un calcul à 25 ans. Et ça me rappelle les calculs que j'entendais quand j'étais en Tunisie du temps de Ben Ali, en disant la bourgeoisie ne pourra pas supporter. La bourgeoisie, à un moment, elle ne pourra plus faire d'affaires, elle va se soulever contre le clan. Ben, c'est bizarre, mais la bourgeoisie, hein, elle accepte parfois d'être raquettée si l'essentiel de son business continue. En Tunisie, elle acceptait de se faire raqueter par les Trabelsi, et en Iran, elle n'aime pas ça, mais elle accepte de se faire raqueter par les gardiens de la Révolution. Oui ? Oui, moi j'étais frappé dans votre exposé par l'utilisation réitérée du terme de monstre. Ah oui. Alors, je comprends très bien qu'effectivement, on puisse utiliser ce mot pour qualifier les régimes auxquels vous avez appliqué ce terme. Mais je reste un peu sur ma fin sur l'explicitation de l'émergence et de la naissance de ces monstres. Ceci d'autant plus que vous avez parlé de deux types de monstres. Il y a d'un côté les mamelouks modernes, c'est-à-dire les dictateurs, et il y en a une certaine série. Et puis vous avez parlé d'un deuxième type de monstre qui aurait été engendré par le premier. En tout cas favorisé, parfois engendré directement, mais toujours enfin, favorisé. Il y a quand même un lien de tout ça, tout le second étant les monstres djihadistes qui seraient la conséquence des premiers. Je crois que l'islam politique, y compris dans sa version violente, soit parce que j'ai pu entendre dans les différents exposés ici, la conséquence directe de ce régime monstrueux, puisque l'islam politique, y compris dans des versions relativement violentes, est née dans l'entre-deux-guerres, aussi bien en Égypte qu'au Pakistan, au Mahdoudi et avec les frères musulmans. Alors peut-on, d'un côté, attribuer la naissance de l'islam politique dans sa version djihadiste ou terroriste uniquement à une réaction à ces premiers monstres? Et deuxièmement, d'où viennent ces premiers monstres, ces mamelouks modernes, dont le type de régime, d'ailleurs tel que vous l'avez dit, ressemble assez fort dans son caractère patrimonial, au régime qu'on a par exemple dans des régions tout à fait différentes, notamment la Russie. Le patrimonialisme est une très très ancienne tradition. Est-ce que les monstres mamelouks modernes sont la conséquence des découpages coloniaux, et l'islamisme une conséquence seconde de la conséquence première du découpage colonial, ou bien est-ce qu'il y a d'autres facteurs explicatifs, et vous ai-je mal compris? Alors, ce sera la dernière question, parce qu'il me faut au moins 5 minutes pour répondre. Hein. Vous êtes d'accord, hein. Voilà. Donc, c'est la dernière question. Hein. Donc, alors, vous pensez bien que j'ai fait vite. Donc, j'ai pas pu développer autant les problématiques que je souhaitais. Donc, les mamelouks modernes, les monstres, pour être plus clair, même si je pense que le caractère monstrueux est indéniable, mais essayons de... Les mamelouks modernes émergent, donc, sur 20 ans, de 49 à 69, à l'intérieur du cycle des indépendances arabes, par le détournement, par des cliques militaires, des dites indépendances. Donc le détournement du droit des peuples à l'autodétermination au profit de systèmes patrimoniaux qui vont se nourrir du conflit israélo-arabe, de la guerre froide, de la rente pétrolière, de la rente stratégique introduite par la guerre globale contre la terreur. Hein, et donc vont peu à peu s'autonomiser
de leur propre population en vivant dans un monde où ils se nourrissent des rapports de force extérieurs, positifs ou négatifs d'ailleurs. Assad, père et fils, se grandissent autant des gens qui crient du soir au matin qui vont les faire tomber que des gens qui crient du matin au soir qui vont les soutenir. C'est un phénomène d'équilibre. Ce qui permet de ne plus être en phase avec la population, de se décrocher, d'une part. Alors, islam politique, l'islam politique, on vous a dit des choses très intéressantes dessus, on vous en dira encore d'autres. Effectivement, c'est l'entre-deux-guerres, pour moi, c'est mon interprétation. L'apparition de l'islam politique est concomitante de l'apparition d'autres partis de type autoritaire, qu'ils soient communistes, nationalistes arabes, bassistes ou autres, l'ensemble de ces partis ayant deux points communs, la critique des élites nationalistes, libérales, pluralistes, parce qu'elles ont failli dans le combat national, et que les libertés bourgeoises ne sont que des libertés formelles, etc. etc. Deuxième point, la structure interne. La structure interne des Frères musulmans est la même structure que celle du Parti communiste, que celle du BAS, secrétaire général, comité central, bureau politique. Simplement, ça a des noms différents. Et tout le monde sait que c'est des partis qui ne sont pas démocratiques. Donc, l'islam politique comme bassiste, nationaliste, est issu, il vit sa vie. Pour moi, le djihadisme, c'est complètement autre chose. Le djihadisme naît par une espèce de réaction chimique frankensteinienne, quelque part dans les zones tribales entre l'Afghanistan et le Pakistan. Dans les années... Il se trouve que je les ai vus. Je les ai vus naître. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. D'ailleurs, je peux vous dire, ça n'intéressait personne à l'époque. J'ai fait un article sur l'international djihadiste. Les gens avaient vraiment d'autres priorités. Et les systèmes que j'ai décrits ont contribué à cette création, d'abord parce qu'ils ont expulsé vers l'Afghanistan leurs opposants en espérant qu'ils y mourraient, ce qui n'est pas arrivé, ou alors comme les services égyptiens en collaboration avec les services saoudiens, etc., en contribuant à l'armement de ce qui va donner Al-Qaïda. Bon, Al-Qaïda était cliniquement morte au moment du début de la révolution arabe. D'ailleurs, elle a essayé de se raccrocher à ces soulèvements en disant « Vous voyez, nous l'avions bien prévu, Moubarak est tombé, nous avions contribué, etc. etc. » En revanche, dans l'intervalle, deuxième réaction chimique, si j'ose dire, dans un autre chaudron, qui est le chaudron irakien, on va avoir une occupation américaine, on va avoir une insurrection, une djihadisation, et des anciens de Saddam qui vont rejoindre des partisans d'Al-Qaïda et qui vont fonder ce qui va devenir Daesh. Donc là, on n'est pas... La filiation avec l'islam politique est encore plus ténue, parce que déjà, il faudrait voir celle qui prévaut du côté d'Al-Qaïda. Or, Al-Qaïda, un de ses ennemis déclarés, c'était les Frères musulmans. Mais là, en plus, il faut voir que ce qui fait de Daesh le monstre qu'il est aujourd'hui, c'est le transfert de technologie de la dictature de Saddam Hussein au djihadisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces gens-là... Bon, il se trouve que les Syriens, les révolutionnaires syriens, ont abattu, sans savoir au début qu'il était le stratège de Daesh. Ils n'ont pas trouvé un Coran, ni un livre de prière, ni un tapis de prière chez lui. En revanche, ils ont trouvé des rapports type KGB. Donc, c'est des gens qui sont des totalitaires, qui sont concentrés sur le contrôle des populations, l'extermination de toute forme d'opposition, et l'intoxication. Et on voit bien dans leur propagande planétaire à quel point ils sont efficaces. Alors je vais quand même finir sur une note d'espoir. Ils ont un vrai problème avec la réalité, comme tous les totalitaires. Mais simplement, les totalitaires, c'est pas parce qu'ils ont un problème avec la réalité qu'ils s'en vont comme ça, qu'on ferme les yeux et puis qu'un jour ils sont plus là. Mais ils portent en eux, dans ce déni de réalité, dans cette réalité parallèle qu'ils ont créée, qui fait qu'ils sont tellement forts sur les réseaux sociaux,
Parce qu'en fait, ils sont beaucoup plus à l'aise dans le Second Life que dans la vraie life. Parce que dans la vraie life, c'est pas très joli ce qui se passe chez Daesh. Hein? Donc, c'est ce contrôle totalitaire et ce déni totalitaire de réalité qui, beaucoup plus selon moi que des conflits au sein de l'islam, des alliances avec Poutine, Assad ou je sais pas qui, porte en soi la défaite de Daesh. Mais pour cela, il faut que les peuples de la région, et le peuple syrien avant tout, puissent retrouver la voie de son droit imprescriptible à l'autodétermination. Merci de votre attention.